Bon, donc avant de recevoir, donc de continuer cet après-midi avec Philippe Mérier et les débats qui va s'en suivre, nous donnons encore le temps de notre fil rouge. Est-ce que Chantal, vous souhaitez peut-être que Philippe Mérier puisse entendre ce fil rouge qui va permettre d'engager où on démarre? On démarre et il va venir s'installer. Ça fait venir. D'accord. Ça fait venir. Donc il est déjà là. Il est là. Donc il est en train de mettre ses bagages à côté. Très bien. Écoutez, j'ai été un peu plus longue. C'est pas bon. Il faut que je lève. Comme ça. J'ai été un petit peu plus longue ce matin. Je serai très brève en ce début d'après-midi. Donc, trois points seulement. Oui, là, je vais à l'économie, hein, cette fois-ci. Je parlais hier de la vue d'avion et de la dentelle. Donc, nous avons eu la vue d'avion. Je pense que c'est mieux que nous puissions, qu'il puisse s'installer aussi. Philippe Mérier. Comme ça, on ne les perd pas. Faut pas les perdre. Bon. Philippe Mérier arrive, même ma feuille s'en va. On sent. C'est bon, un grand souffle. Ce n'est pas grave, c'est un grand souffle. Continuons avec ce souffle. allons-y. Bien. Donc, je parlais hier de l'importance en pédagogie de la vue d'avion et de la dentelle. Nous avons eu ce matin la vue d'avion qui consistait à interroger le sens de l'institution à partir de son histoire et des grands courants pédagogiques qui l'ont traversée, qui ont été constitutifs de sa réflexion. Et M. Dantier nous a bien souligné, je crois, ce que je pointais ce matin comme étant cette vocation de l'ISP, d'être ce lieu de confrontation des différents courants de pensée pédagogique, éducative, marxiste, anti-marxiste, structuralisme, anti-structuralisme, freudisme, anti-freudisme, et j'en passe, n'est-ce pas? Bon. Et lieu juste de pas de côté qui permet de mettre en perspective ces débats, de s'y situer et de prendre un engagement dans ces contextes. L'ISP a en effet aussi été porteur, enfin bon, d'une défense des sciences de l'éducation en un temps où ça n'allait pas de soi, par exemple. Bon. Comment s'est-il engagé, a-t-il été amené à s'engager avec, et vous avez retracé, remis ça en perspective dans une filiation, n'est-ce pas, dans la direction des pédagogies nouvelles, actives, et quel sens cela avait, hein, dans la centration sur la personne et pas simplement les besoins de la société. Bon. Nous avons eu l'effet dentelle avec la table ronde autour des travaux de Antoine Lagarandry. Pourquoi je dis ça, dentelle? Ça illustre parfaitement la deuxième vocation de l'ISP que j'ai pointée ce matin, la vocation laboratoire. Hein, comment une pensée, et celle de Lagarandry même, s'élabore en dialogue avec étudiants, en se laissant interpeller d'abord par la difficulté de l'élève, donc disons par l'expérience du terrain. C'est aussi la démarche qui était celle de Brit dès le départ, n'est-ce pas? Bien. Et nous avons là visité un autre monde, vu d'une autre hauteur, hein, plus près du microcosme. C'est, voilà, qu'est-ce qui se passe dans une tête d'apprenant, de jeune ou moins jeune, et comment
on apprend, comment j'apprends. Voilà, c'est ce singulier, où sont les chemins de ma propre compréhension et en quoi sont-ils divers selon les personnes. Troisième point que je retiens de nos échanges de ce matin, c'est l'interaction avec la salle, avec vous tous ici présents. Et en remerciant d'ailleurs les personnes qui lèvent la main, apportent une contribution, leur éclairage, leur questionnement. Bon, là, je crois que nous sommes vraiment au cœur, alors, du coup, du laboratoire, si j'ose dire, parce qu'il faut bien partir de ces préoccupations dont les étudiants, enseignants, futurs enseignants témoignent ici. Et ils interpellent le principe de réalité. Hein? Bon, c'est bien beau tout ça, mais là, demain, dans ma classe, je fais quoi, comment? Voilà. Donc, cette capacité, vous voyez, aussi à se mettre en situation, bon, et à nous obliger à regarder les choses depuis cette situation très concrète, voilà, où la personne de l'enseignant est engagée là, dans une situation. Il va falloir décrypter avec toutes sortes de sens, n'est-ce pas, ouverts, pour pouvoir y intervenir et susciter du mouvement, si possible, en effet, de coopération, d'entraide, d'intelligence, c'est-à-dire d'interrelation avec un monde de savoir à construire, avec l'autre à côté de moi, et comment nous pouvons cheminer ensemble. Les exemples qui ont été donnés étaient très parlants. Pendant la pause déjeuner ou juste après, j'étais moi-même réinterpellée. Il faut de l'informel, on sait bien. C'est toujours dans les creux, n'est-ce pas, que la pensée circule faire émerger des questionnements. Voilà. Donc, par exemple, que je repointerai ce soir certainement, une question qui m'a semblé tout à fait forte. J'ai le sentiment que parmi tous les enseignants étudiants, enseignants qui sont ici rassemblés dans cet amphi, il y a tout de même beaucoup d'enfants d'enseignants. C'est un phénomène sociologique connu qui réinterpelle évidemment ces risques, comment dirais-je, de culture endogène, de la pédagogie et de l'école, n'est-ce pas? Bon, et donc, toute cette grande question aussi de l'ouverture, des ponts plutôt que des fossés avec des cultures familiales, la culture de mes ancêtres, n'est-ce pas? Puisque nous avons visité nos grands ancêtres, eh bien, posons-nous aussi, n'oublions pas de nous reposer cette question d'ici ce soir. Donc, merci aux jeunes gens qui m'ont interpellé là-dessus. Et je crois que j'ai fait mon petit point avant de passer la parole. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait l'exercice de présenter Philippe Mérier, mais comment présenter Philippe Mérier? Quand on est en face de Philippe Mérier, on ne présente pas Philippe Mérier, on se présente à Philippe Mérier. Donc, je me présente parce que quand il y a eu l'idée de ce colloque, la première personne que j'ai contactée, donc l'idée même du colloque est en germe, quand le doyen a proposé cette idée avec Marie, on s'est rencontré avec Philippe Mérier dans un colloque à Grenoble. Et là, je lui ai dit, Philippe Mérier, il y aura un colloque, je ne sais pas quand, quel jour, mais vous retenez la date. Elle m'a dit, bah, écoutez, je serai là. Ça, c'est bien, vraiment. C'était, il a compris qu'il avait affaire avec quelqu'un d'une culture un peu africaine. Bon, je serai là, elle m'a dit comme ça, sympa. Quand il a eu le colloque, je l'ai contacté et puis il m'a dit, c'est bon, la date, c'est bon, je serai là. Philippe Mérier, pour moi, c'est déjà... Il a été à ma soutenance de thèse en sciences de l'éducation. Il m'a dit, écoutez, revenez en philosophie, puisque vous êtes en sciences de l'éducation, en philosophie. Allez, revenez en philosophie, travaillez ces questions en philosophe. Et je suis revenu, entre autres, en philosophie.
Philippe Mérier, c'est aussi quelqu'un dont j'ai le bonheur, puisqu'on a des personnes communes, mais c'est surtout, il y a un ami commun, Armando, qui nous a permis de publier ensemble un ouvrage en Colombie, donc un ouvrage sur la philosophie de l'éducation. Donc j'ai eu le bonheur d'écrire avec lui. Donc Philippe Mérier, et c'est lui qui est là, qui m'a fait, là tout à l'heure j'ai resté les étudiants, mais pourquoi est-ce que vous êtes là dehors? J'ai dit j'attends Philippe Mérier, donc Philippe Mérier, et c'est lui qui va peut-être nous répondre, puisque il a cette capacité de nous déplacer et de se déplacer lui-même. Donc d'où, on avait fait une demande, mais je vais en faire encore là, Philippe Mérier, une autre demande. Et vous allez vous débrouiller avec ceux qui sont dans la salle. Il y a une question qu'on est en train de se poser depuis tout à l'heure. À quoi sert la pédagogie? Parce que là, c'est vos débats avec les gens, plus ou moins. À quoi sert la pédagogie? C'est le titre. Si vous pouvez nous répondre à cela, parce qu'on est là depuis. Et puis, quelle pédagogie propre à l'ICP? Quelle est cette pédagogie qui est propre? Peut-être il y a une pédagogie, peut-être pas, mais vous allez essayer de répondre à cette question. Vous allez essayer de répondre aux collègues qui sont venus, comme il y a une étudiante qui est venue, je croyais qu'elle venait me saluer, elle m'a dit, mais non, Philippe Mérier est là, donc j'ai compris que vous devez répondre à ces étudiants-là. Vous devez répondre aux étudiants qui vont être enseignants, mais vous devez aussi répondre à des étudiants qui sont des cadres de l'éducation, qui sont des cadres éducatifs, ils veulent vous entendre là-dedans pour la pédagogie, et puis il y a des collègues, et puis il y a des anciens de l'ICP. Répondez, Philippe Mérier. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. J'avais effectivement répondu présent dès que vous m'aviez indiqué quel était le titre général de ce colloque. La pédagogie sert-elle encore à quelque chose? Et j'avais exprimé à ce moment-là mon enthousiasme à l'égard de cette question et de la nécessité de la traiter d'une manière large, avec des débats, des confrontations multiples entre les différents apports qui ont traversé l'ISP. J'ai été ensuite un peu imprudent, puisque, après vous avoir donné mon accord sur ma participation, je vous ai laissé, ou plus exactement, vous ne m'avez pas demandé de choisir le titre de mon intervention. Je l'ai donc découvert en découvrant le programme imprimé. C'est un sujet imposé, en quelque sorte. Mais comme on a l'habitude dans l'éducation nationale de travailler sur sujets imposés, je vais essayer de me plier à l'exercice. Vous me proposez de faire une conférence, ce sera plutôt une causerie, sur les pensées, les pédagogues qui ont traversé l'ISP, leur histoire et leur actualité. Alors je voudrais tout de suite vous dire que je ne pourrai pas complètement traiter le sujet. D'une part parce que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'ISP, je ne l'ai pas vécu, je n'y ai pas travaillé d'une manière durable, je n'y ai fait que quelques incursions, ici ou là, à certains moments de son histoire. J'ai eu des compagnonnages forts avec un certain nombre de ceux et celles qui ont été et qui sont encore les grandes figures de l'ISP, j'en vois quelques-uns dans la salle, Britt-Marie, Albert et d'autres. D'autres qui étaient là, je pense, hier, d'autres comme Daniel Hamelin qui n'ont pas pu venir, mais qui, je crois, vous ont fait parvenir le texte de leur communication, auprès de laquelle ma communication va vous paraître bien pauvre. Donc je ne peux pas faire œuvre d'historien de l'ISP, je ne le peux pas, parce que cela m'aurait demandé non seulement un travail d'archivage, d'archives, mais aussi un travail d'interrogation de tous les acteurs qui, au cours de ces années de l'ISP, ont agi au quotidien pour faire vivre cette institution. Alors, comme j'étais très intéressé par le titre général du colloque, j'ai coupé la poire en deux et j'ai décidé de traiter deux sujets dans cette causerie introductive de l'après-midi. Dans un premier temps,
je me centrerai sur l'ISP en disant ce que je dois, pour ma part, à l'ISP et à ceux qui y ont œuvré. Alors je vous prie d'ores et déjà d'excuser ceux et celles que je vais oublier, que je n'ai pas rencontrés, sur lesquels je n'ai pas assez travaillé, mais il y en a beaucoup parmi ceux qui ont travaillé à l'ISP, à qui je dois beaucoup de choses dans mon travail et ma réflexion. Et puis après avoir fait un peu l'énoncé de ma dette, de mes dettes, j'essaierai de répondre à la question que vous venez de me reposer, qui est celle du colloque, et de prolonger les réflexions sur l'ISP en me demandant si aujourd'hui la réflexion pédagogique sert encore à quelque chose et à quoi. Première série de remarques donc, ce que je dois à l'ISP. D'abord, et je ne voudrais pas l'oublier, je voudrais remercier l'ISP pour le rôle qu'elle a joué, indépendamment de l'aspect purement intellectuel, réflexif, indépendamment des publications, indépendamment de toutes ces diffusions universitaires, pour le rôle qu'elle a joué en tant que lieu d'accueil, lieu d'échange, lieu de soutien, creusé, accueillant des étudiants de diverses nationalités, leur permettant de trouver ici, alors que ça n'était pas toujours facile en France, un espace où débattre des questions pédagogiques sans préjugés, sans a priori, sans appartenir à une chapelle ou sans faire acte d'allégeance à un courant particulier. À cet égard, j'ai rencontré de par le monde, au cours de mes diverses pérégrinations, et chaque fois que j'ai été invité en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, voire en Asie, des personnes qui m'ont dit avoir une dette à l'égard de l'ISP pour l'accueil que l'ISP leur a réservé, pour les lieux de travail que l'ISP a construits et pour les échanges et l'approfondissement de la réflexion que l'ISP a permis. Tout cela, évidemment, on ne saurait trop l'en remercier et souhaiter que l'ISP reste et continue dans son travail d'accueil, de creuser, de rencontre entre ceux et celles qui s'intéressent à la réflexion pédagogique. Alors si maintenant je rentre un petit peu plus dans le fond, je voudrais dégager trois grands apports de l'ISP à mon propre travail et à ma propre réflexion. Je les énonce d'abord, je reviendrai sur chacun d'entre eux ensuite. D'abord, je dois à l'ISP d'avoir contribué à reconnaître le fait pédagogique lui-même, le pédagogique et la pédagogie, comme étant des espaces de travail dignes d'intérêt, comme étant des objets sur lesquels l'activité intellectuelle peut s'exercer solidement. Solidement, je dis bien, et pas simplement en diffusant un certain nombre de lieux communs idéologiques qui circulent ici ou là. Deuxième élément, je dois à l'ISP de m'avoir aidé à comprendre ce qui se joue dans le fait pédagogique et en particulier les grandes contradictions qui le traversent. Et puis enfin, je dois à l'ISP de m'avoir aidé à m'interroger sur l'institution scolaire et sur toutes les interrogations qui me semblent aujourd'hui être particulièrement d'actualité pour interroger, au-delà du fait pédagogique, le fait scolaire, à la fois en France, mais plus généralement dans le monde, j'y reviendrai. Premier élément d'abord, je dois à l'ISP la reconnaissance d'avoir reconnu et de m'avoir aidé à reconnaître la spécificité du fait pédagogique. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer ici, en tout premier lieu, mon collègue Jean Housset, qui a travaillé dans cet institut, qui a élaboré ici en grande partie sa théorie du triangle pédagogique, que je crois extrêmement intéressante et féconde, qui a joué un rôle essentiel aussi
pour faire reconnaître le patrimoine pédagogique et sa valeur. C'est en grande partie grâce à Jean Housset que nous disposons aujourd'hui d'un nombre important de textes pédagogiques du patrimoine et que nous pouvons nous y replonger. Sans Jean, sans les 15 pédagogues, sans la collection qu'il dirige aujourd'hui chez Faber, un nombre considérable de textes qui constituent la culture pédagogique elle-même seraient devenus inaccessibles ou accessibles simplement à quelques savants consultant de rares bibliothèques. Alors Jean a bien évidemment travaillé autour de cela. Il a construit cette idée de triangle pédagogique entre le savoir, le maître et l'élève, montrer comment dans ce triangle il peut y avoir toujours un mort, montrer comment certaines de ces facettes du triangle peuvent être privilégiées au détriment d'autres. Et il m'a aidé d'ailleurs à reprendre la figure du triangle pour la modifier un peu et proposer, dans la continuité de son travail, une modélisation possible de la pédagogie en un autre triangle, qui est celui que j'utilise aujourd'hui pour décrire précisément les doctrines pédagogiques que Jean a contribué à mettre au jour. Quand j'ai à décrire ces doctrines, je montre toujours qu'elles sont la combinaison complexe et à bien des égards aléatoire de trois pôles. Un pôle axiologique qui relève des finalités, finalités philosophiques, finalités qui furent théologiques, qui sont devenues philosophiques, qui peuvent avoir évidemment une connotation politique, finalités dont on ne peut pas se passer, finalités qui ressurgissent toujours, même à l'insu de ceux qui prétendent être dans la pure observation ou dans la pure scientificité. Il y a toujours de l'axiologie quelque part, et chaque fois que quelqu'un cause d'éducation, comme dit Daniel Hamlin, il dit toujours bien plus que ce qu'il dit, il dit toujours quel type d'homme, quel type de société, quel type d'avenir pour l'humanité il préfigure, et il faut d'autant plus l'interroger là-dessus qu'il ne le dit pas, et qu'il laisse apparaître son discours comme un discours qui pourrait précisément faire l'économie de ce pôle axiologique, de ce pôle des finalités. Mais la pédagogie, ça n'est pas simplement des finalités, ce ne sont pas simplement des finalités, c'est aussi tout un étayage scientifique, tout un pôle que j'appelle épistémologique, qui vient solliciter des savoirs et des connaissances constituées qui, à un moment donné, nous apprennent un certain nombre de choses dans des champs divers sur la façon dont se passe l'éducation, dont elle s'est passée dans l'histoire, dont elle se passe aujourd'hui, ses enjeux sociologiques, ses réalités psychologiques, voire neuroscientifiques, mais aussi économiques, mais aussi linguistiques, toutes ces disciplines contributoires qui vont, à un moment donné, venir apporter leur soutien à une doctrine pédagogique. Et enfin, le troisième pôle que je fais émerger chaque fois que j'évoque une doctrine pédagogique, c'est le pôle praxéologique, celui des outils, celui des propositions concrètes, celui des perspectives ouvertes pour les institutions ou pour les maîtres. Or, ce qui caractérise la pédagogie et ce qui rend les échafaudages pédagogiques précisément difficiles à monter, parfois à comprendre, c'est que ces trois pôles sont profondément hétérogènes. Rien ne rassemble dans un même lieu, avec des chercheurs uniques, dans des débats scientifiques et épistémologiques unifiés, les travaux sur l'axiologie, les travaux sur l'épistémologie, les travaux sur la praxéologie. Et il faut d'une certaine manière une sorte de miracle pour qu'à un moment donné, de la cohérence s'établisse entre des finalités, entre
des éléments scientifiques qui sont apportés par les chercheurs et des outils qui sont mis à disposition des praticiens. Et cette cohérence entre les finalités, les recherches scientifiques et les outils, elle est toujours, bien évidemment, à réinterroger et à reconstruire, tant, comme l'a montré Jean Housset sur son propre triangle, le danger, le risque, la tentation existe en permanence d'écraser le triangle et d'oublier un de ses pôles. On peut oublier le pôle axiologique, je le disais tout à l'heure, et s'en tenir à un pôle épistémologico-praxéologique où on déduirait des connaissances scientifiques, des outils techniques à mettre en œuvre dans les classes sans s'interroger sur qu'est-ce qui se fabrique là-dedans et quel est le profil d'homme, d'humain que l'on cherche à promouvoir. Et Dieu sait que ce type de configuration pédagogique existe aujourd'hui, hein. On le trouve en particulier particulièrement développé autour des neurosciences, hein, qui cherchent à déduire en quelque sorte de ce qu'elles observent dans le fonctionnement du cerveau des prescriptions pédagogiques sans s'interroger sur les finalités qui travaillent cette déduction. Mais il y a aussi la possibilité d'écarter le pôle épistémologique et de s'en tenir à une sorte de flèche qui va directement de l'axiologie à la praxéologie, c'est-à-dire des finalités aux pratiques, sans prendre en compte suffisamment les savoirs scientifiques qui viennent étayer ces pratiques. D'une certaine manière, on pourrait reprocher à tout le courant de l'éducation nouvelle, et en particulier à certains de ses acteurs, je pense à Célestin Freinet, parmi d'autres, d'avoir travaillé essentiellement sur le pôle axiologique, praxéologique. Voilà le type d'homme que je veux former et voilà les outils que je propose pour cela, sans suffisamment toujours se confronter aux travaux et aux recherches scientifiques de son époque, susceptibles d'étayer ou de venir au contraire contredire cette pédagogie-là. Je ne dis pas que cette pédagogie, celle de Freinet par exemple, ne vaut pas grand-chose, mais Daniel Hamlin me racontait que c'est dans ses locaux de l'ISP qu'en discutant avec d'autres spécialistes de sciences de l'éducation, ils en avaient conclu ensemble que si Freinet avait demandé à soutenir une thèse en sciences de l'éducation, bien évidemment, il n'aurait jamais été accepté. Et s'il avait a fortiori demandé à proposer ses travaux pour soutenir ce qu'on appelait à l'époque une thèse sur travaux, l'université aurait considéré que tout cela était un échafaudage bien idéologique dans lequel il manquait cette polarité épistémologique, scientifique, susceptible de venir étayer le rapport entre l'axiologie et la praxéologie. Mais on peut aussi imaginer des configurations dans lesquelles on a une sorte de solidarité entre l'axiologie et l'épistémologie sans pour autant se soucier de l'instrumentation quotidienne des praticiens. C'est aussi ce que nous observons parfois aujourd'hui, alors là dans un certain nombre de travaux universitaires qui font des liens très rigoureux entre la philosophie de l'éducation et les recherches empiriques, mais qui n'outille quiconque pour faire face à cette difficulté qui est d'élever nos enfants, d'instruire nos élèves, ces enfants qui, comme le dit encore Daniel Hamlin, sont bien encombrants puisque nous ne les avons que quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois dans les bras avant de les avoir très vite sur les bras. Alors oui, ceux et celles qui, comme Jean, ont construit l'idée de la pédagogie dans cette triangulation n'ont pas fait quelque chose d'innocent. Le triangle est ce qui ouvre un espace. C'est ce qui empêche de se rabattre sur des dimensions simplificatrices. C'est ce qui impose
de mettre en relation des éléments qui ne sont pas nécessairement des éléments homogènes entre eux. Et cela fait de la pédagogie quelque chose qui ressemble effectivement plus à un bricolage, au sens de Claude Lévi-Strauss, qu'à un travail d'ingénieur que Claude Lévi-Strauss opposait, vous le savez, au travail du bricoleur. Hein, Lévi-Strauss, dans un texte célèbre, explique que l'ingénieur, quand il a à concevoir quelque chose, eh bien, il se met devant sa table, il imagine l'objectif, il va chercher les matériaux, il accumule les outils, il identifie les spécialistes et avec tout ça, il construit le pont ou l'édifice qui lui est commandé. Le bricoleur, dit Lévi-Strauss, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Le bricoleur, le samedi ou le dimanche, il descend dans sa cave ou dans son atelier. Et là, il trouve quelques objets, quelques vieux objets abandonnés. Il trouve une selle de vélo, il trouve une vieille roue, il trouve quelques planches. Et il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire avec ce qui existe et qui est déjà là. Eh bien, je crois que cette idée du bricolage est consubstantielle à la pédagogie parce que nous faisons avec des choses qui sont déjà là. Qui sont déjà là. Des finalités qui ont été travaillées par les philosophes, des savoirs scientifiques qui ont été élaborés dans le courant de la recherche, et puis des outils que plus ou moins nous fabriquons, mais que parfois nous empruntons à des praticiens qui innovent dans leur classe. Alors oui, en évoquant cette figure du triangle, Jean a, je crois, institué la possibilité de penser l'hétérogène et de penser, si ce n'est une discipline, au sens d'une discipline scientifique, au moins une discipline en tant que discipline de pensée. Discipline de pensée qui s'efforce à réunir, qui s'efforce de mettre en cohérence et qui s'efforce de rechercher chaque fois ce qui peut permettre de donner du sens en empruntant à des éléments qui relèvent de champs différents entre eux. Et puis je ne voudrais pas terminer cette première excursion dans le domaine de l'histoire de l'ISP et des apports de Jean sans me référer, parce qu'il est pour moi très important, à son dernier livre, La pédagogie traditionnelle, et à l'alerte particulièrement salutaire que fait Jean Housset dans ce dernier livre quand il emprunte à un collègue américain Labaré et aux travaux sur l'impact de Dewey dans le système éducatif américain, quand il emprunte l'opposition entre progressisme administratif et progressisme pédagogique. Et quand il montre avec beaucoup de talent que si le progressisme administratif a gagné dans le domaine de l'organisation scolaire, le progressisme pédagogique, lui, a été cantonné dans les marges de la formation des enseignants et des innovations exceptionnelles. Je pense qu'il est intéressant de regarder, d'interroger les évolutions, y compris parfois les circulaires ministérielles, à la lumière de cette opposition entre le progressisme administratif et le progressisme pédagogique. Il est intéressant de regarder en quoi le progressisme administratif va aller rechercher du côté des théories du management, par exemple, mais aussi en psychologie du côté du behaviorisme. Tandis que le progressisme pédagogique va lui plutôt aller regarder du côté de l'histoire, parfois même des pédagogues libertaires, du côté des pédagogies et des psychologies, non pas behavioristes, mais mentalistes ou constructivistes. Pour intervenir très souvent en formation d'enseignants, que ce soit dans le premier ou dans le second degré, j'ai le sentiment que cette opposition est d'une actualité particulièrement forte et que nos collègues enseignants se sentent prisonniers d'une sorte de progressisme administratif qui s'exprime à travers la multitude des tableaux Excel que les responsables de l'éducation nationale et d'autres institutions remplissent toute la journée,
tableau Excel qui laisse très largement échapper le progressisme pédagogique auquel il serait attaché, celui qui s'intéresse à l'élève, celui qui s'intéresse à la construction de collectifs authentiques et celui qui n'a pas les yeux fixés sur l'obligation de résultat, fût-elle réduite et a fortiori quand elle est réduite au résultat des évaluations et des comparaisons internationales. Alors oui, merci à Jean Housset d'avoir ouvert la voie et d'avoir ouvert le triangle, d'avoir introduit ce troisième pôle qui nous permet de penser là où trop souvent nous étions dans une binarité qui n'autorisait pas toujours la pensée à émerger. Deuxième élément, deuxième point de ce que je dois à l'ISP, c'est la compréhension de ce qui est à l'œuvre dans le pédagogique. Et là, je ne peux pas faire autrement que de dire ma dette absolument immense au travail de Daniel Hamelin, qui a occupé peu de temps, certes, 5 ou 6 ans, mais suffisamment longtemps du temps dans cette institution pour la marquer durablement et pour, au sein de cette institution, apporter ce qui, précisément, empêche la pédagogie de basculer dans les oscillations mortifères, dans les ou bien, et lui permet au contraire de devenir cette dialectique constructive génératrice d'inventivité. Dans le texte que Daniel Hamelin vous a fait parvenir, il vous rappelait, il y a 24 heures, cette fameuse opposition entre deux formules, une de Carl Rogers et une de Paul Ricoeur. Carl Rogers disant « on apprend bien que ce que l'on a appris soi-même » et Paul Ricoeur disant « tout autodidacte est un imposteur ». Et Daniel Hamelin ajoutant, comme il le fait depuis de nombreuses années, « ce qui est important n'est pas de choisir entre Rogers et Ricoeur, c'est d'entendre que les deux ont raison et qu'ils ont raison en même temps. Qu'il est vrai que l'on apprend bien que ce qu'on a appris soi-même, mais qu'il est vrai aussi que tout autodidacte est un imposteur. Et que c'est parce qu'on a investi cette contradiction, parce qu'elle est au cœur de notre travail, que nous sommes des inventeurs de dispositifs pédagogiques, c'est-à-dire de ce qui va permettre d'associer ensemble, même si c'est dans ce que Daniel Hamelin appelle un affranchissement furtif, la transmission et l'émancipation. Rien n'est facile dans ce domaine, tant la transmission peut être récupérée ou figée dans son caractère mécanique et l'émancipation peut devenir évanescente. Associer transmission et émancipation dans le même acte, ça n'est jamais joué d'avance, c'est même un des enjeux au quotidien de l'attitude pédagogique. Et j'en viens à ce concept d'attitude. Daniel Hamelin vous en a moins parlé dans son introduction d'hier, mais c'est néanmoins un point qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai lu et beaucoup influencé ensuite quand j'y ai réfléchi. Comme vous le savez, Daniel Hamelin avait été professeur de philosophie dans les années 60 dans l'ouest de la France et il avait pratiqué ce qui s'appelait alors, d'un terme relativement mal choisi à son avis et au mien aussi, la non-directivité. Alors la non-directivité, pour les jeunes qui sont ici, c'est-à-dire l'immense majorité de cette salle, c'est quelque chose qui n'est même plus tellement imaginable. Ça consistait pour le professeur de philosophie qui était Daniel Hamelin, en rentrer dans sa classe le premier jour, le jour de la rentrée, et à s'asseoir au fond de la classe en disant qu'il se mettait à disposition des élèves, mais qu'il s'interdisait de faire cours. Et il ne prenait donc la parole que pour annoncer son silence, hein, et que pour dire que la classe devait s'organiser pour faire en sorte que ces heures soient les plus utiles possibles aux uns et aux autres.
Alors, Daniel Hamlin s'inspirait à ce moment-là de Carl Rogers, qui lui-même s'inspirait de la psychosociologie américaine de Kurt Lewin, de l'idée du groupe non directif qui a mis chemin entre le groupe de type anarchiste et anarchique et le groupe directif réussi à trouver sa voie à la suite d'un certain nombre de phases. Mais Daniel Hamlin, après avoir tenté de pratiquer cette méthode, je dis tenté de pratiquer cette méthode parce qu'il n'est pas sûr qu'il l'ait complètement pratiqué jusqu'au bout et qu'il ait été dans la non-directivité absolue jusqu'au terme de son année ou de ses années scolaires, je crois qu'il en a passé trois dans ce cadre-là, Daniel Hamlin a écrit un premier livre avec Marie-Joëlle Dardelin qui s'appelait « La liberté d'apprendre » où il faisait un petit peu le bilan de ce qui se passait là. Alors c'était un bilan assez positif puisqu'il montrait que progressivement ses élèves de terminale, mais qui étaient en terminale dans les années 60, moins de 8% je crois de la population scolaire et d'une classe d'âge, à peu près 10% peut-être, à peine 10% dans les années 60. C'était pas beaucoup dans les terminales littéraires. Hein. Mais c'était donc des élèves plutôt favorisés, surtout dans l'école privée dans laquelle Daniel Hamlin enseignait. Alors il fait une description assez idyllique, il faut bien le dire, de ces années de non-directivité, les élèves s'organisant progressivement, allant se documenter, lire le programme, allant chercher des ouvrages, faisant des exposés, puis allant interroger le maître au moment où... ils étaient en difficulté dans leur exposé et ainsi de suite. C'est un ouvrage, La liberté d'apprendre, situation 1, qui, sans masquer les quelques difficultés rencontrées par Hamlin et Dardelin dans leur classe, fait l'éloge de cette non-directivité. Et puis quelques années plus tard, Daniel Hamlin écrit un deuxième livre qui porte le même titre, qui s'appelle La liberté d'apprendre, situation 2. Et dans ce livre, il passe au crible de la critique, au fond, ce qu'il a lui-même mis en place et fait. Je vous passe le détail. Il montre qu'il a, pour une part, été victime d'une illusion, que, de manière certes généreuse, mais peut-être un peu, avec un peu de cécité, il a imaginé que ce qu'il avait proposé à ses élèves de cette classe dans cette institution particulière était systématisable partout, qu'il a, surestimé considérablement l'auto-organisation des élèves et leur capacité à s'auto-organiser et sous-estimé considérablement le rôle de la parole magistrale, y compris dans ce qu'elle a d'instituant et de structurant pour l'intelligence de celui à qui elle s'adresse. Et il conclut ce livre, La liberté d'apprendre, situation 2, en évoquant une formule que j'ai moi-même souvent reprise dans mes écrits, en disant « La non-directivité est un échec comme système, mais c'est une nécessité comme attitude. » Et je dois dire que cette distinction, pour moi, a été extrêmement salutaire. Et que la manière dont Hamlin a forgé, construit, développé progressivement cette notion d'attitude a été d'une aide tout à fait décisive dans mes propres travaux. Il dit « la non-directivité comme système est une impasse ». Mais la non-directivité comme attitude... C'est presque une hygiène professionnelle, dit-il. Une hygiène professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il entend par attitude ? D'abord, il dit, l'attitude, c'est le contraire de l'habitude. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne s'enquiste pas. C'est quelque chose qui est toujours à l'état de vigilance maximale. C'est quelque chose qui est attentif à ce qui se passe. C'est un ensemble, dit-il, de dispositions à voir, à comprendre et à réagir face à une situation donnée.
L'attitude, ça n'est pas une somme de comportements observables. C'est très largement inobservable en termes objectifs. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse que l'on fait comme quoi il y aurait quelque chose qui réunit les comportements que l'on a et qui nous anime dans notre relation aux autres, en particulier quand ceux-là sont susceptibles d'être nos élèves. Et cette attitude non directive que Daniel Hamlin développe, il lui donne trois caractéristiques fondamentales qu'il formule en trois verbes: anticiper, évaluer, réguler. Mais ces trois verbes sont bien pauvres au regard d'un paragraphe qui se trouve à la page 291 de son ouvrage « La liberté d'apprendre, situation 2 », qui me semble un paragraphe à bien des égards indépassable. Voici ce qu'écrit à ce moment-là Daniel Hamlin. « Ainsi, l'attitude non directive mérite d'une manière originale son appellation d'attitude. Elle consiste à antécéder sans anticiper. » Antécéder, c'est faire de la place, faire venir, mais sans anticiper, c'est-à-dire sans décider de ce qui va venir. Antécéder sans anticiper. À valoriser sans juger. Et à réguler sans régulariser. Les trois caractères de l'attitude s'y retrouvent, mais porteurs de leur propre négation, dit-il. Antécéder sans anticiper, c'est être là pour accueillir ce qui va se présenter sans le prévenir au sens classique, au sens de Britannicus. Vous savez, Seigneur, j'ai tout prévu pour une mort si juste, dit Narcisse à Néron. Prévu, c'est-à-dire, on prévoit, dit Hamlin ailleurs, que la mort. Le prévisible, c'est ce qui est mort. La vie, c'est ce qui, par définition, est imprévisible. Donc, antécéder sans anticiper, c'est accepter ce qui va venir, mais sans le définir. Accepter ce qui va venir, mais sans enfermer l'autre à l'avance dans une image définitive de ce qu'il doit faire advenir. Valoriser sans juger, c'est suspendre, dit Hamlin, le fonctionnement spontané des stéréotypes et des catégories pour permettre à l'interlocuteur d'être entendu pour ce qu'il dit et non d'abord pour ce qu'il représente. Pour ce qu'il dit et non d'abord pour ce qu'il représente. Entendons chacun pour ce qu'il dit. Et non d'abord pour ce qu'il représente, même s'il est enseignant, même s'il est professeur. Ça me rappelle cette phrase d'un de mes collègues, Bernard Rey, professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui dit « L'école est le lieu où le statut de la parole n'est jamais relatif au statut de celui qui l'énonce. » C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le maître parle qu'il a raison, c'est parce qu'il a raison qu'il a raison. Valoriser sans juger, c'est suspendre le fonctionnement spontané des stéréotypes et des catégories pour permettre à l'interlocuteur d'être entendu pour ce qu'il dit et non d'abord pour ce qu'il représente. Et là, Daniel Hamlin fait une référence à une chanson qui, je prie la salle de m'excuser, va lui apparaître infiniment désuète parce que plus personne ici ne s'en souvient de cette chanson tellement elle est ancienne. C'est une chanson de Richard Anthony des années 60 qui s'intitulait « Donne-moi ma chance encore ». Je trouve que c'est un très beau titre d'ailleurs, « Donne-moi ma chance encore ». Et alors que j'étais vice-président chargé de la formation de la région Rhône-Alpes et que je m'occupais des agences de Pôle emploi ou que je m'occupais des agences qui accueillaient les jeunes, les missions locales, je ne cessais de dire que quand ils voyaient un jeune arriver, il fallait que les accueillants imaginent dans sa bouche toujours qu'il leur proférait comme Richard Anthony cette phrase, titre de la chanson « Donne-moi ma chance encore ». Ce qui est finalement une assez bonne morale pour, me semble-t-il, une attitude dans ce cadre-là.
Et puis, Hamelin termine en disant « Réguler sans régulariser, c'est éviter d'engluer l'interlocution dans les pièges de la dépendance affective sans pour autant interdire aux affects d'être et de s'exprimer. » Éviter d'engluer l'interlocution dans les pièges de la dépendance affective, et Dieu sait que la dépendance affective, elle joue toujours, y compris à notre insu, souvent à notre insu, mais sans pour autant interdire aux affects d'être, on ne peut pas suspendre l'affectivité par décret. Hein, Alain disait autant suspend ton vote, je ne peux pas dire à l'affectivité, ô affectivité, suspends-toi, puisqu'il faudrait une telle affectivité pour suspendre l'affectivité, que cela ferait vraiment beaucoup trop d'affectivité à dépenser. L'affectivité est là, il faut faire avec, sans s'engluer dedans. Faire avec, sans s'engluer dedans. Et ces trois versants de ce que Hamelin appelle l'attitude non directive, je vous les rappelle, hein, antécéder sans anticiper, valoriser sans juger, réguler sans régulariser, constitue à mes yeux toujours, je crois, quelque chose d'absolument fondateur qui, à côté, en tension avec tous les systèmes pédagogiques, représente une hygiène, et je reprends volontairement le mot de Daniel Hamelin, pédagogique, sans cesse à refaire émerger et face à laquelle sans cesse nous avons à nous interroger. Et puis, à côté de l'attention Rogers-Ricoeur, de l'attention système-attitude, il y a une troisième tension chez Daniel Hamelin qui, moi, me paraît fondamentale et sur laquelle j'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir peut-être, qui est la tension entre les finalités et les modalités au sein de toute activité éducative. Cette tension, elle apparaît dans un livre qui a fait l'objet d'un nombre important de malentendus. C'est son livre sur les objectifs pédagogiques en formation initiale et continue, qui a souvent été interprété comme un livre techniciste et qui, par les antipédagogues, est aujourd'hui considéré même comme un manuel d'une pédagogie de la maîtrise qui se serait enfermée dans un béhaviorisme complètement verrouillé. Ce livre est, à mon avis, exactement l'inverse. Il est un livre qui pointe d'entrée de jeu, et encore plus dans les textes qui ont été publiés à la suite, et en particulier la postface qui date d'une dizaine d'années après sur l'éducateur et l'action sensée, qui pointe la tension fondamentale dans l'acte éducatif entre les finalités et les modalités. Les finalités, elles sont toujours, à quelques exceptions près, on pourrait toujours en trouver, générales et généreuses. C'est les projets. Projets d'établissement, projets éducatifs. Vous connaissez des projets, vous en avez fabriqué, vous savez les fabriquer. Moi, je peux vous en faire assez facilement. Si vous mettez une pièce, je peux vous dire, à partir d'une évaluation scrupuleuse des besoins et des attentes des personnes, et en mettant en place une dynamique locale qui prendra en compte l'ensemble des partenariats potentiels, on se donne pour objectif de façon collective à innerver tout le tissu social de façon à lui permettre de se mobiliser au service de ceux qui en ont le plus besoin et de mobiliser l'ensemble des ressources de telle façon à ce que, grâce à une évaluation régulière et à des papiers fins disposés sur le terrain, d'une manière systématique, on puisse... mettez des pièces comme ça, vous avez un comique, vous savez, dont j'ai oublié le nom, qui travaille sur l'éducation populaire. Comment s'appelle-t-il déjà? Mais vous le connaissez, comment? Lepage, Franck Lepage, bien sûr, qui est un spécialiste de ce type de choses et qui vous fabriquera des projets de ce type. En veux-tu, en voilà. Alors les finalités, c'est vrai que elles sont souvent générales et généreuses et qu'il est très difficile de ne pas s'y reconnaître, même dans les textes officiels, d'autant plus qu'elles empruntent très souvent une terminologie extrêmement facile, relevant de lieux communs, et qui renvoie d'ailleurs le plus souvent au registre arboricole,
ou botanique. Hein? C'est toutes les métaphores de l'épanouissement. Hein? Personne n'est contre l'épanouissement des enfants. Enfin, s'il y en a ici qui sont contre l'épanouissement des enfants, ils peuvent se manifester, mais enfin, globalement, c'est rare. Hein? Personne n'est contre l'autonomie des personnes. On ne peut pas dire que s'il y en a qui sont contre l'autonomie, non, personne n'est contre l'autonomie. Donc ces finalités, Ameline a raison de dire qu'elles sont générales et généreuses, mais que le problème, ça n'est pas d'énoncer des finalités. Le problème, c'est que la plupart des institutions passent leur temps à énoncer des finalités, non pas pour les mettre en pratique, mais pour n'avoir point à les mettre en pratique. C'est-à-dire pour juxtaposer des discours généreux à des pratiques pour le moins médiocres, reproductibles au moindre coût. On peut faire des discours extrêmement élaborés sur l'autonomie des élèves sans voir qu'il y a quelques contradictions élémentaires dans le fait que, encore en terminale, on traite l'élève à peu près comme en CP et qu'il a toujours besoin de demander l'autorisation pour aller aux toilettes, n'est-ce pas ? C'est des contradictions qu'on n'ose même plus évoquer tellement elles sont gigantesques et tellement elles sont quasiment constitutives hein, de nos institutions. Et c'est pour tenter de colmater, ou plus exactement de réduire ces contradictions, que le pédagogue, comme Daniel Hamelin le souligne, a pour tâche de faire en permanence le chemin dans les deux sens. Hamelin dit parcourir la chaîne dans les deux sens. C'est-à-dire en permanence se demander comment les finalités peuvent s'incarner dans des modalités et comment les modalités sont ou non représentatives des finalités que l'on a affichées par ailleurs. Mettre de la cohérence n'est pas ici chose facile. N'oublions pas que c'est là-dessus que Socrate a laissé des plumes. Socrate n'a rien fait d'autre que de dire aux Athéniens « Et la démocratie, si vous la faisiez, au lieu seulement d'en parler. » Discours insupportable pour ceux qui précisément prétendaient être à la pointe de la démocratie et ne la mettaient pas en œuvre. Ou la mettaient en œuvre d'une manière particulièrement sélective. Eh bien, il y a une forme de rationalité subversive dans la pédagogie quand elle se permet de dire, au fond, avec une forme de candeur calculée, mais pourquoi vous ne faites pas ce que vous dites ? Et pas seulement avec les élèves, mais là, entre vous, là. Est-ce que vous parlez de l'autonomie, mais le chef, il se comporte comment ? Et puis, vous parlez de transparence, d'information partagée, tout ça, on est d'accord, mais là, au quotidien, comment ça marche, votre affaire ? Il y a une forme de subversion presque dangereuse dans ce type d'interrogation, au point que les institutions aiment tellement peu les gens qui posent ces questions que les gens qui posent ces questions, en général, on les envoie ailleurs. C'est-à-dire, on en fait des spécialistes des finalités qu'on envoie dans les colloques pour parler des finalités avec les autres spécialistes des finalités. Mais pendant qu'ils sont dans les colloques, on peut toujours continuer à faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire faire fonctionner l'institution au moindre coût et sans remise en question. Eh bien, j'ai appris cela de Daniel Hamelin, je l'ai appris aussi d'un certain nombre de ceux qui, à ses côtés, ici, à l'ISP, avaient cet esprit incisif. Je me souviens d'une journée pédagogique dans un établissement où j'étais enseignant, animé par Étienne Verne, où il a fait preuve de cet esprit incisif avec un génie extraordinaire, prenant en quelque sorte les enseignants au pied de la lettre et les mettant à l'épreuve en leur disant « Mais oui, d'accord, l'autonomie de l'élève, c'est bien. Oui, d'accord, l'épanouissement, c'est bien. La créativité, le collectif, le groupe, tout ce que vous dites là, tous ces lieux communs de la pédagogie bien pensante,
tout ça c'est très bien, mais concrètement vous faites quoi quand vous rentrez dans votre classe pour mettre cela en pratique? Et je crois que l'ISP a été un des lieux où on a osé poser cette question. Mais concrètement, vous faites quoi? Où on a essayé de relier les finalités et les modalités. Où on a essayé de pratiquer cette rationalité subversive qui menace parfois celui qui s'y aventure, mais qui est un moyen extrêmement précieux pour faire évoluer et pour faire progresser toutes les institutions. Alors j'ai dit, vous vous en souvenez, dans ce que j'avais appris de l'ISP, premièrement que le pédagogique était un objet de travail complexe, dont le triangle pouvait représenter une figure acceptable. J'ai dit que j'avais appris à l'ISP que le pédagogique était aussi un lieu de tension, entre le fait que nous transmettons et le fait que nous émancipons, le fait que nous adoptons des systèmes et qu'au sein de ces systèmes, nous avons à développer des attitudes, tension aussi entre les finalités et les modalités. Je voudrais conclure cette première série de remarques en évoquant les interrogations qui sont nées à l'ISP ou avec l'ISP au cœur du pédagogique et qui ont porté sur le scolaire et en particulier cette capacité fondamentale pour celui qui enseigne de penser d'abord à celui qui apprend. Vous avez ce matin consacré un travail à Antoine de la Garandrie et j'ai entendu tout à l'heure votre directrice l'évoquer. J'ai eu la chance et le plaisir de collaborer avec Marie Barthes. Ce sont deux personnes que j'estime beaucoup, dont l'apport est considérable, très différent. Chacun sait, vous l'avez sans doute revu ce matin, dans quelle inspiration s'inscrivait la Garandrie, la psychologie de Burlou. Chacun sait aussi que Marie Barthes s'est beaucoup inspirée de Brunner, mais l'une et l'autre ont mis au cœur de leur travail quelque chose d'essentiel et d'invisible, l'opération mentale de l'élève. Au fond, l'une et l'autre ont recentré la pédagogie, non pas sur ce qu'il faut dire, non pas sur ce qu'il faut faire, non pas sur ce qu'il faut organiser, mais sur ce qui doit se passer dans la tête de l'élève et au service de quoi doit être ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut organiser. À cet égard, et avec des référents théoriques très différents, puisque rien ne réunissait a priori Burlou et Piaget, ce courant qui s'est développé au sein de l'ISP s'inscrit parfaitement dans la suite de ce qu'un des plus fidèles et des premiers disciples de Piaget avait opérationnalisé dans un ouvrage qui s'appelle Psychologie didactique. Cet homme s'appelle Hans Ebli, un mathématicien qui avait expliqué très longuement que au fond, nous comprendrons ce qu'est enseigner quand nous aurons compris ce qu'est apprendre et quand nous aurons en particulier compris qu'apprendre, c'est opérer. Et que l'enseignant ne pourra organiser ses apprentissages que quand il aura, d'une manière un peu approfondie, compris ce qui doit se passer dans la tête de l'élève. Ce qui doit se passer dans la tête de l'élève. C'est à partir de ce qui doit se passer dans la tête de l'élève que je vais pouvoir organiser l'acte pédagogique lui-même. C'est l'opération mentale
qui n'est à vrai dire qu'une hypothèse, puisqu'il y a, comme le disait Husserl, une opacité incontournable de la conscience d'autrui et que je ne sais jamais ce qui se passe dans le mental de chaque élève. Mais c'est l'hypothèse de ce qui doit se passer dans le mental de chaque élève qui va me permettre d'organiser mon dispositif pédagogique pour que l'élève apprenne. La notion d'opération mentale va ainsi servir d'interface entre l'objectif et le dispositif. C'est une hypothèse d'interface entre l'objectif et le dispositif. Je veux que l'élève apprenne cela, je dois construire un dispositif pour qu'il y arrive. Entre ce que je veux construire, ce que je veux faire apprendre, et le dispositif pédagogique que je vais mettre en place, je dois me poser la question de ce que l'élève doit faire dans sa tête pour que les deux soient en cohérence. Si je ne me pose pas cette question-là, je suis dans la pensée magique. C'est-à-dire, je suis dans l'élaboration d'un dispositif qui n'est au fond qu'une sorte de projection de la manière dont moi j'ai appris, ou de plus vraisemblablement même de la manière dont je me représente la façon dont j'ai moi-même appris. Je vais soutenir très bientôt une thèse précisément sur la notion d'opération mentale qui emprunte aussi bien à Antoine de la Garandrie qu'à Brit-Marie Bart, mais aussi à Piaget, où elle montre comment les progrès de ce qu'on appelle les didactiques ont toujours été corrélés à la prise en charge de l'opération mentale, c'est-à-dire à la formulation d'hypothèses sur ce qui se passe dans la tête de l'élève, que je ne verrai jamais, que je ne saurai jamais, que je ne pourrai jamais observer, qu'aucune neuroscience d'ailleurs ne permettra jamais d'objectiver, hein, mais qui va être une sorte de traducteur de mon intention en dispositif. Traduire une intention en dispositif. Et c'est bien cela qu'a fait Brit-Marie Bart dans tout son travail sur l'induction et la construction des concepts. C'est bien cela qu'a fait Antoine de la Garandrie quand il s'attache d'une manière si forte à la construction des images mentales. Alors on a beaucoup insisté, mais vous avez dû en parler ce matin, sur les profils pédagogiques et sur la différenciation de ces profils pédagogiques avec les différents paramètres, etc., chez la Garandrie. Mais la notion de profil pédagogique est elle-même seconde chez la Garandrie. Pas secondaire, mais seconde. Ce qui est premier, c'est la construction de l'image mentale. C'est-à-dire, c'est l'affirmation que ce qui est au cœur de l'apprentissage, c'est la prise en compte de l'image mentale et c'est la capacité à faire émerger cette image mentale. Voilà une interrogation au cœur du pédagogique que j'ai trouvée ici présente à l'ISP. Mais au-delà de cette interrogation sur l'acte d'enseigner, j'ai trouvé aussi à l'ISP une multitude d'interrogations sur ce que mon collègue Guy Vincent, sociologue à Lyon, appellera dans un premier texte de 1980, puis dans un texte de 1994, la forme scolaire. La forme scolaire, au fond, c'est la forme héritée du modèle simultané, lui-même imposé par Guizot en 1830-1833 contre le modèle mutuel. Alors, vous savez sans doute, pour ceux qui ont quelques connaissances en histoire de l'éducation, qu'au début du XIXe siècle, il y a encore un petit reliquat du modèle moyenâgeux qui est un modèle individuel, qu'il y a l'émergence simultanée d'un modèle qu'on va appeler précisément simultané, qui est issu des frères des écoles chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste de La Salle, et l'émergence d'un modèle dit mutuel, qui est issu de Lancaster essentiellement, mais aussi du père Girard, grand pédagogue suisse de Fribourg. Le modèle simultané étant construit sur la présence dans le même espace scolaire de nombreux élèves d'âges différents et de niveaux différents, le modèle mutuel étant basé là-dessus, tandis que le modèle simultané inspiré de Saint-Jean-Baptiste de La Salle est un modèle dans lequel on fait l'hypothèse
que pour que les élèves apprennent correctement, il faut qu'ils soient regroupés par groupes de 20 à 30, ayant le même âge, le même niveau, et faisant la même chose en même temps. Et ce que l'ISP a eu raison de dire, ce que l'ISP a bien fait de proclamer, a fortiori à la Cato de Paris, et en se référant à travers Didier Piveteau et Étienne Vert, nos travaux d'Ivan Illich, c'est qu'aucun dieu n'a jamais gravé des tables de la loi sur lesquelles il est inscrit « De toute éternité, une classe sera constituée d'un groupe de 24 à 30 élèves ayant le même âge et à peu près le même niveau et faisant la même chose en même temps. » Il y a eu là, à l'ISP, toute une émulation, et encore une fois, je ne saurais trop dire à quel point nous avons une dette à l'égard de Didier Piveteau et d'Étienne Verne, toute une émulation qui s'est inspirée d'Illich, mais pas seulement, qui a permis d'interroger cette forme scolaire d'une manière extrêmement féconde. Alors évidemment, permis de réinterroger le modèle simultané profit du modèle mutuel, de réhabiliter Bell, Lancaster, Girard contre Guizot, contre Saint-Jean-Baptiste de la Salle, de réhabiliter les classes multiniveaux contre les classes à un seul niveau, de réhabiliter les petites écoles rurales contre les regroupements pédagogiques systématiques qui veulent absolument regrouper les élèves par niveau identique au prétexte qu'ils apprendraient mieux alors que toutes les recherches montrent qu'il n'en est rien, etc., etc. Cette interrogation sur la forme scolaire a été, je trouve, très présente et très saine en ces murs. Et elle nous est très utile aujourd'hui, parce que aucun d'entre vous, même moi qui suis le plus vieux ici, aucun d'entre nous n'est assez vieux pour se souvenir d'une école qui aurait été organisée autrement. Si nous avons vécu des classes uniques dans notre enfance, elles étaient présentées comme des archaïsmes visant à être éradiquées et pas du tout comme étant l'avenir de l'éducation nationale. Mais néanmoins, c'est tellement présent dans les esprits que non seulement en France, mais partout, la francophonie a une certaine importance, mais aussi bien au-delà, dans les pays anglo-saxons eux-mêmes, et dans les pays de par le monde, pour l'immense majorité d'entre eux, ce modèle de l'école simultanée est devenu quasiment un modèle universel. Avec l'interdiction de la communication entre élèves. Guizot disait dans un de ses premiers moniteurs, le moniteur, c'est l'ancêtre du bulletin officiel de l'éducation nationale, hein ? Que Guizot a non seulement imposé le modèle simultané, mais il a aussi créé les inspecteurs. Hein. On va croire que les inspecteurs sont une construction de la République. Faut le leur rappeler de temps en temps. Les inspecteurs sont une construction de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire de la Restauration. Hein. Et Guizot a aussi construit le bulletin officiel de l'éducation nationale qui s'appelait le Moniteur, et dans un des premiers texte du Moniteur, on y trouve cette phrase de Guizot qui, promouvant le modèle simultané, affirme que dès lors que plusieurs élèves communiquent entre eux, c'est qu'ils complotent contre le maître. Alors mon collègue Albert Moine, promoteur du travail autonome, longtemps directeur de cette institution, évidemment était le premier, pas le premier chronologiquement, que d'autres avaient déjà démenti Guizot bien avant lui, mais le premier en termes de stature au sein de cette institution et des travaux qu'il a menés sur le travail autonome a montré que, précisément, la communication entre élèves était une richesse absolument infinie dont on ne pouvait pas se passer, dont il était évidemment impossible de se passer, si l'on voulait se centrer sur les apprentissages. Alors on pourrait continuer à interroger d'ailleurs cette forme scolaire hein, qui a été interrogée ici à l'ISP sous l'influence d'Illich, cette forme scolaire qui évolue très vite sous nos yeux.
En particulier, une des caractéristiques de cette forme scolaire, c'est que pour pouvoir maintenir des classes homogènes d'élèves de même âge et de même niveau, elle s'est mise depuis une vingtaine d'années, mais d'une manière accélérée depuis 5 à 10 ans, à externaliser le traitement de tous ceux qui n'entrent pas dans le modèle homogène. Hein ? Pas plus tard qu'hier après-midi, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à la totalité de votre colloque. Je faisais soutenir une thèse à un étudiant de mon laboratoire, un étudiant africain, qui a travaillé sur 7 collèges de la région lyonnaise et qui a dénombré pas moins de 27 dispositifs externalisés d'accompagnement et d'aide aux élèves en dehors de la classe. 27. Hein ? 27. Et alors, ce qu'il montre en plus, et qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces dispositifs externalisés, que ça s'appelle PPRE, que ça s'appelle aide aux devoirs, que ça s'appelle cordée de la réussite, que ça s'appelle soutien scolaire, enfin, il y a des noms, en veux-tu, en voilà, la plupart de ces dispositifs externalisés ont été créés pour précisément, en théorie, compenser l'inégalité du suivi des familles. Et bien, il y a des familles dans lesquelles on ne peut pas suivre les élèves, donc il faut faire de l'aide aux devoirs. Mais ce qu'il montre dans sa thèse, qu'il a soutenue hier, c'est que, précisément, ceux qui vont dans ces dispositifs, c'est ceux qui sont déjà aidés dans les familles. Et que ceux qui ne sont pas aidés dans les familles, les plus abandonnés, les 34% d'élèves qui sont complètement en déshérence, ils ne vont même pas dans ces dispositifs. Mais ça n'empêche pas l'institution scolaire de continuer à externaliser et à fonctionner sur un modèle qu'avait déjà repéré Illich, Étienne Verne et Jean-Didier Piveteau, qui est le modèle de la détection d'érivation. Pour pouvoir avoir la classe la plus homogène possible, on détecte et on dérive à l'extérieur tout ce qui ne rentre pas dans l'homogénéité postulée. On postule l'homogène et on détecte et on dérive tout ce qui ne rentre pas dans cette homogénéité. C'est le modèle de la centrifugeuse. La classe devient une centrifugeuse. Alors vous savez que la centrifugeuse est un appareil qui a cette fâcheuse tendance à créer, puisqu'elle tourne de plus en plus vite, en son sein, une dépression. Alors, c'est la dépression au sens physique, puisque ça creuse, mais ça peut être une dépression au sens psychique. Alors après, on s'étonnera que les professeurs soient déprimés. Effectivement. Donc, il faudrait réinterroger plus que jamais cette forme scolaire qui, au nom de l'homogénéité, externalise. Et externalise de plus en plus sur le modèle médical. Et là, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais Illich a aussi, dans Némésis médicalé, critiqué considérablement le modèle médical et d'une manière particulièrement pertinente. Externalise sur le modèle strictement individuel, externalise évidemment en enrôlant le numérique, externalise parfois d'une manière extrêmement inégalitaire, puisque l'externalisation peut être gratuite, mais elle peut être aussi payante et extrêmement chère. Et ce fonctionnement en centrifugeuse est tellement puissant que il laisse entendre finalement aux parents et aux élèves eux-mêmes que puisqu'il y a tant de choses autour de l'école pour faire réussir les élèves, c'est que la classe ne doit pas servir à grand-chose. Et mon collègue Rochex de Paris 8, avec Patrick Rayou, ont interrogé beaucoup d'élèves qui font l'objet de toutes ces structures d'aide, hein, médicales, sociales, thérapeutiques, sociologiques, pédagogiques, psychopédagogiques, et tout ce que vous voulez. Et les enfants finissent par dire une chose très simple, mais s'il y a tant de gens autour de moi pour s'occuper de moi, c'est que vraiment, je dois être nul. Bon. Et si, avec tous ces gens qui s'occupent de moi, je reste aussi nul, c'est que vraiment, je ne dois pas pouvoir progresser. Donc, l'augmentation des structures externes de soi-disant aide à l'élève fonctionne de manière complètement contre-productive en faisant intérioriser par les élèves eux-mêmes leur propre échec. Et cela de manière extrêmement grave. Je ne veux pas continuer sur ce registre-là parce que je n'ai fait que ma première partie et encore je n'ai pas fini. Pour dire, juste pour évoquer le fait qu'à l'ISP, j'ai trouvé aussi
des gens qui ont été les premiers quand même dans ce domaine-là à interroger les frontières scolaires elles-mêmes. Je crois avoir lu sous la plume d'Étienne Verne un certain nombre de choses d'une grande qualité sur les effets de la loi de 71 sur la formation tout au long de la vie. À l'époque, peu de gens auraient misé un copec sur la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, la formation tout au long de la vie est devenue une banalité, une extraordinaire banalité, une banalité qui pour autant n'est pas mise en œuvre, bien évidemment, puisqu'elle ne profite, la formation continue, qu'à ceux qui ont déjà saisi la chance de la formation initiale. Alors vous voyez qu'au sein de l'ISP, j'ai rencontré, directement ou indirectement, des gens qui m'ont aidé à penser et à construire ce que j'ai pu écrire, dire et les engagements qui ont été les miens. Je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, je ne sais pas, j'ai encore un quart d'heure ou pas ? Oui. J'ai maintenant, dans une deuxième partie... De toute façon, les gens ne m'écoutent plus, donc oui, si, c'est si. Bon. Oui, bon. Ouais, ouais. Dans une deuxième partie, je voudrais tenter de répondre à partir de là, mais encore une fois, excusez-moi, parce que je n'ai pas couvert la totalité des intervenants de l'ISP, ni des travaux de l'ISP, dans ce que j'ai dit. Et pour la bonne raison, c'est que je n'y ai pas été impliqué directement et surtout continuellement. Donc il y a des trous considérables. Hein. J'ai simplement dit ce qui m'avait accroché et ce qui me paraissait toujours d'actualité. Et je voudrais à partir de là faire quelques alertes. Alors sept parce que je me suis dit, puisque je vais dans une institution d'église, faut garder un chiffre sacré, donc les sept sacrements, mais ça peut être aussi les sept péchés capitaux. Hein. Cette alerte, ou en tout cas sept points sur lesquels la pédagogie peut encore servir à quelque chose aujourd'hui. Alors, il y a des banalités là-dedans, mais certaines banalités sont bonnes à redire. Première alerte, c'est la résistance à ce que j'ai appelé tout à l'heure la pensée magique. Il ne suffit pas d'enseigner pour que les élèves apprennent. Voilà quelque chose d'une banalité extraordinaire, extravagante, mais qui me paraît d'une importance fondatrice. On peut enseigner devant des élèves qui n'apprennent pas, voire qui refusent notre enseignement. C'est ce que j'ai appelé dans mon travail le moment pédagogique, ce travail de la prise en compte de la résistance de l'autre, et on n'aura jamais fini de se centrer sur cette réalité-là. Dans une société technologique, ce n'est pas un hasard que la pensée magique soit si puissante. C'est parce que la société technologique fait l'impasse sur l'épaisseur de l'humain. Et qu'à bien des égards, la technologie et la magie sont les deux faces de la même médaille, c'est-à-dire de l'impasse sur l'épaisseur humaine. La technologie nous laisse entendre que, faites, c'est mécanique. Vous enseignez, c'est mécanique, ils apprennent. C'est de la technologie. Mais en matière d'humanité, c'est de la magie, puisque ça fait l'impasse sur l'existence de ce qui précisément n'est pas maîtrisable par aucune technologie, c'est vous-même, votre intentionnalité, votre projet, non pas votre cerveau, mais votre moi. Je vous invite à cet égard de lire l'excellente réponse d'un de nos collègues philosophes neuroscientifiques qui s'appelle « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ?» qui explique à quel point cette confusion entre le moi et le cerveau est particulièrement préjudiciable à la compréhension et à l'intelligence de l'acte pédagogique lui-même. Donc, première alerte, résistons. La pédagogie doit nous inviter à résister à la pensée magique qui, en réalité, est la pensée technologique
qui en réalité est la pensée du traitement des sujets, des individus comme des objets. Puisqu'il suffit d'enseigner pour que les élèves apprennent, enseigner, c'est une des étymologies possibles, parce qu'il y a débat sur le mot, apposer un seau comme on appose un seau sur une cire molle pour lui donner sa forme. Hein ? Une des hypothèses étymologiques du terme. Deuxième mise en garde, à quoi peut nous servir la pédagogie aujourd'hui ? À résister au fatalisme sous toutes ses formes. Alors, il y a plusieurs formes de fatalisme qui, aujourd'hui, me semble-t-il, nous guettent. Je ne vais pas faire de politique, vous en avez assez entendu parler comme ça depuis que vous êtes levé ce matin, mais néanmoins, notre institution scolaire rencontre des difficultés. Tests internationaux, malgré toutes les critiques qu'on peut leur faire, nous montrent que les écarts se creusent, que la société et l'école sont de plus en plus inégalitaires, que les échecs s'enquistent, en particulier dans les classes populaires. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les difficultés ne sont que le revers de nos ambitions. Nous sommes la première société au monde qui a voulu faire atteindre à tous ces adolescents de 16 ans un tel niveau de culture. On peut facilement en rabattre. On peut facilement réduire nos difficultés. Il suffit de réduire nos ambitions. Et face à ceux qui vous proposent des solutions sur le système éducatif, demandez-vous toujours s'ils réduisent les ambitions pour réduire les difficultés ou s'ils vous proposent des solutions pour résoudre les difficultés. Parce que ceux qui réduisent les ambitions pour réduire les difficultés, ils réduiront les difficultés puisqu'ils auront réduit les ambitions. Hein ? Mais ce n'est pas le même travail que ceux qui vous auront proposé des solutions pour résoudre les difficultés. Réduire et résoudre les difficultés, ça ne veut pas dire la même chose. Et puis nous avons des moyens formidables aujourd'hui pour en rabattre sur nos ambitions. Il y a un moyen, alors vraiment, tout à fait extraordinaire et d'une efficacité à toute épreuve. C'est la transformation permanente des objectifs en préalable. Vous savez, par exemple, tout le monde sait, vous ici, que la motivation, c'est un objectif de l'institution scolaire. Bon. C'est-à-dire que ça fait partie du boulot des profs de motiver les élèves. Maintenant, si vous écrivez sur la porte des classes, non pas comme Platon l'écrivait, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre », mais « Nul n'entre ici s'il n'est déjà motivé », si vous ajoutez « Nul n'entre ici s'il n'est déjà motivé, attentif, capable de suivre un cours pendant une heure, de faire ses devoirs de manière autonome », de préparer ses contrôles sans qu'on le lui rappelle, etc., etc., vous aurez peu de gens qui vont rentrer. Vous êtes sûr qu'ils vont réussir. Vous aurez tout simplement transformé vos objectifs en préalable. Sur la motivation, c'est énorme. Combien de fois j'entends partout, il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. Non, mais on se moque de qui ? Et s'il n'était pas motivé parce qu'il n'a jamais réussi, et que ce qui démotive le plus, c'est l'échec, et si la motivation, ce n'était pas votre job, à vous, les enseignants, quand même, hein ? Alors, il y a là une forme particulièrement perverse de fatalisme, transformant tous les objectifs en préalables, et vous verrez que tout marchera mieux, hein ? Tous les organismes de formation marcheront mieux, hein ? Pour l'emploi aussi, ça marchera mieux. Hein, si vous ne prenez que les gens qui sont déjà formés et prêts à prendre un travail, eh bien évidemment, en transformant les objectifs en préalable, vous n'aurez plus de problème. Hein. Ayez de temps en temps cette grille de lecture quand vous écoutez des informations politiques, vous verrez, ça donne un certain nombre de moyens d'être un peu plus lucide. C'était ma deuxième alerte. Troisième alerte. Troisième fonction de la pédagogie, puisque on me demande à quoi ça sert à résister, me semble-t-il, à la montée de ce que les sociologues comme Marcel Gauchet appellent l'individualisme social,
et de son corollaire, ou plus exactement de sa montée en charge économique, que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Le capitalisme pulsionnel, vous savez, c'est le troisième âge du capitalisme, dit Stiegler. Il y a eu le capitalisme industriel, c'était Zola, capitalisme financier qui bouge encore, c'est la transformation du coût en prix, dès lors que c'est plus le coût qui régit les échanges entre les humains, mais le prix, et que le prix est lui-même l'objet de spéculation. Le coût qui constitue la réalité des choses ne régule plus les échanges entre les humains et donc font s'effondrer les échanges entre les humains. Le prix d'une tonne de blé à la bourse de Chicago change, je crois, 20 fois dans la première seconde de sa mise sur le marché. Parce qu'il y a des robots traders qui se rapprochent d'ailleurs de plus en plus de la bourse pour que le temps soit de plus en plus court entre le moment où ils donnent les ordres et le moment où ils sont reçus, qui spéculent avec des modèles mathématiques pour faire baisser ou monter les prix. Donc, le prix est une illusion spéculative. Le propre du capitalisme financier, c'est de faire oublier les coûts. Une tonne de blé a un coût. C'est un coût écologique, c'est un coût humain, c'est un coût de matières premières. Mais vous pouvez avoir un prix qui n'a rien à voir avec ce coût, soit qui est mille fois plus important, soit qui est mille fois moins important. Le problème, c'est que ce n'est plus le coût qui régit les rapports entre les échanges entre les humains, c'est le prix. Bon. Et c'est ce qui, bien évidemment, dérégule massivement notre système économique. C'est la deuxième phase du capitalisme. Et puis la troisième phase du capitalisme, celle que Stiegler décrit très bien, c'est ce qu'il appelle le capitalisme pulsionnel. C'est le capitalisme de la pulsion. Pulsion d'achat, évidemment. Fais ton caprice, mon petit. Tu sais, c'est le narcissisme initial ou l'égocentrisme enfantin, comme disent les psychanalystes ou les psychologues. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que ça fasse marcher le commerce. Hein? Et mets les adultes en concurrence, puisque les adultes ont un besoin fabuleux d'être aimés. Donc en mettant les adultes en concurrence, tu finiras toujours par obtenir satisfaction de tes caprices. J'étais il y a quelques jours dans un train, il y avait là une petite fille et ses parents, et la petite fille argumentait très sérieusement, pied à pied, pour obtenir que ses parents lui achètent des baskets qui s'allument. Alors je ne sais pas si ça existe ici à Paris, mais enfin, sûrement, hein, sûrement. Alors la maman explique avec le papa que les baskets qui s'allument, c'est du gadget, que tout ça, il faut mettre des piles et tout ça. Bon. La petite fille laisse causer. Et puis au bout d'un petit moment, 5-10 minutes, à peine 10 minutes, la petite fille dit « Bon ben d'accord, j'ai compris, samedi j'irai voir mamie. » Remarquable intuition enfantine. Je vends mon amour au plus offrant. Celui qui me satisfait mes caprices, je l'aimerais plus. Et comme vous voulez être aimé, la maman d'ailleurs a réagi instantanément, elle a dit « Non, non, vendredi, on ira à Carrefour. » Elle a gagné. Le capitalisme pulsionnel a gagné. Ce capitalisme pulsionnel place l'enfant dans une situation de vouloir tout, tout de suite. C'est un moment normal dans son évolution. J'évoquais tout à l'heure le narcissisme initial, l'égocentrisme enfantin, c'est un moment normal. Sauf que ce moment normal est enrôlé par ce capitalisme, ce que Castoriadis appelait la conspiration, hein, cum respirare, ce qui respire en même temps. Hein, fais ton caprice, fais ton caprice, fais ton caprice, achète, 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 achète. Et achète tout de suite, là. Maintenant, hein? Et puis, gère en direct, en temps réel, c'est-à-dire sans temps, tes amours, tes amis, tes loisirs, textote tant que tu veux, et réponds immédiatement, y compris au mail collectif de 200 personnes en écrivant « je t'emmerde hein? ». La pulsion, l'immédiateté. Or, la pulsion, l'immédiateté, c'est le contraire de la pensée.
C'est ce qui enserre, ce qui écrase la pensée. Or, la pédagogie dans son histoire, et si j'avais le temps, je vous le montrerai en remontant très loin, elle a toujours été ce travail compliqué, difficile, pour sursoir à l'acte et faire émerger la pensée. Non, pas tout de suite. Réfléchissons, prenons le temps d'y penser, et même nourrissons notre pensée par la culture, parce que c'est ainsi que notre pensée va être plus pertinente et que nos choix vont être plus judicieux. Résistance à cela. Quatrième résistance. Là, je vais toucher un point plus délicat. Résistance de la pédagogie à ce que j'appelle le naturalisme familialiste. Parce que, mes amis, ça ne concerne pas beaucoup de gens quantitativement, mais c'est une sacrée lame de fond. Il n'y a aujourd'hui que 3294 enfants en France qui bénéficient de ce qu'on appelle l'instruction en famille. Mais en revanche, il y a 50 demandes d'ouverture d'écoles privées à caractère familial sur le bureau de la ministre par semaine. Par semaine. Alors habillé, écologie, Montessori, Steiner, tout ce que vous voulez. Et vous avez ce mouvement-là qui monte, là, hein, avec ces films « Être et devenir », « Alphabet » que vous avez peut-être vu. Ah, c'est habile, ces films « Alphabet ». On vous montre les écoles en Corée du Sud. Vous avez des amphis de 300 gamins qui font des QCM pour préparer les tests PISA. On vous montre une jeune fille en Allemagne qui s'est suicidée par surcharge scolaire. Puis, tac, deuxième partie du film, on vous montre André Stern, torse nu, sur un cheval, avec un arc et une musique de Beethoven, se promenant dans des paysages de Sologne, pour vous expliquer, voyez ce que fait l'école quand même. Hein. C'est du formatage insupportable. Ça détruit la créativité. Ça fait des individus complètement stéréotypés. Regardez cette instruction à la maison, dans la nature, cette liberté, ce que ça fait comme humain. Des humains formidablement épanouis. Des humains qui choisissent leur avenir, qui sont... Et alors là, ça saisit les gens. Mais oui, ça saisit. Vous allez voir paraître dans quelques jours un ouvrage qui s'appelle « Mon monde », je crois, d'une maman qui a déscolarisé son enfant et qui l'a scolarisé simplement en lui faisant écrire des lettres de par le monde. Et vous allez voir paraître simultanément un ouvrage qui est la transcription en ouvrage du film « Être et devenir » auquel ont collaboré un certain nombre de nos collègues, comme Céline Alvarez, par exemple, qui explique avec beaucoup d'insistance que l'école, c'est quand même une mauvaise action faite à l'enfant. Et que la liberté, le spontanéisme, le contact direct avec la nature, c'est tellement mieux que ces écoles qui enferment les enfants pour leur faire étudier des programmes qu'ils n'ont pas choisis. Oui, d'accord. Sauf que si on veut une société clanique, une société où les individus ne se regroupent qu'en fonction de leurs affinités idéologiques, religieuse, sociologique, ah ben il faut qu'on continue. Si en revanche, on est encore quelques pédagogues à dire qu'il y a une certaine vertu dans la rencontre de la différence, que bien sûr, comme le disait Claparède, il faut une école sur mesure, mais qu'il faut aussi, comme le disait Claparède, ce qu'on dit moins, qu'il faut que l'enfant se mesure à l'école,
et que les deux sont absolument inséparables, que c'est parce qu'on fera une école sur mesure que l'école s'adaptera aux enfants, mais qu'elle restera, c'est parce qu'elle restera une école que l'enfant se mesurera à l'école et qu'il grandira. Si on est quelques-uns à dire, après tout, comme le philosophe Alain, qui n'a pas dit que des sottises, que l'école reste le lieu où on peut mettre un peu à distance les idéologies, les affects, pour partager des savoirs avec tous, et pour séparer un tout petit peu, désintriquer, même si c'est compliqué, les croyances et les savoirs. Moi, je peux croire que je vais me réincarner dans une grenouille. Et aucune ou aucun d'entre vous ne peut me démontrer que je ne vais pas me réincarner dans une grenouille. Vous pouvez vous y prendre comme vous voulez. Il n'y a aucun moyen de me démontrer que je ne vais pas me réincarner dans une grenouille. Donc j'ai le droit de croire que je vais me réincarner dans une grenouille. J'ai même le droit de faire un club des gens qui vont se réincarner dans des grenouilles et qui le croient. Mais ça n'est pas le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de transmettre des savoirs qui sont vrais pour tous et qui sont démontrables pour tous. C'est ce que le philosophe Fichte appelait le non-moi divisible. Il y a du moi divisible et il y a du non-moi divisible. Le non-moi divisible, c'est ce qui ne m'appartient pas qu'à moi et qui est partageable par tous. Et nous sommes quelques-uns à penser que nous avons encore besoin de commun dans notre société et que le commun est mis à mal chaque fois que les ghettos se développent, quels que soient ces ghettos. Et en tant que pédagogue, quitte à me faire traiter de tous les noms, et je me fais traiter de tous les noms, je lutterai contre la montée de ce naturalisme familialiste et de ces germes de division, de clanification, d'atomisation qu'ils font peser sur une société qui a besoin de commun, qui a besoin d'unité, qui a besoin de solidarité. Cinquième élément, évidemment, la pédagogie, elle va nous permettre de construire ce commun. Et au-delà du commun, de travailler au quotidien sur la formation du bien commun. Parce que nous sommes devenus, dit Marcel Gauchet, métaphysiquement démocrates. C'est bien. Aucun d'entre nous ne veut que quiconque choisisse son conjoint, sa conjointe, sa voiture, sa profession, sa chaîne de télévision, ses loisirs, à sa place. L'explosion des sociétés qu'on appelle holistiques, où la même loi et la solidarité des autorités constituaient une unité absolue, l'explosion de ces sociétés holistiques nous a libérés. Et vous êtes bien contents qu'on ne choisisse pas votre conjoint ou votre profession à votre place. Mais nous n'avons fait que le premier pas, parce que maintenant que nous sommes libérés d'un commun imposé par le haut, nous avons à construire un commun par le bas. Nous avons à construire du commun, et le pédagogue est celui qui dit que la construction du commun, ça commence tôt. Parce que les intérêts individuels, ça ne fait pas du bien commun miraculeusement. On n'ajoute pas des intérêts individuels pour faire du bien commun. Ça se travaille, ça. Ça se travaille ensemble. Ça se travaille d'une manière minutieuse, précise. Ça s'appelle la pédagogie coopérative. Ça s'appelle construire ensemble. Sixième élément, et vous voyez que je vais vite, je vais tenir le temps. Sixième élément, la pédagogie nous invite toujours à la créativité. À la créativité. À la créativité didactique, bien sûr. La pédagogie nous dit qu'il n'y a pas de recette miracle parce qu'il y a des situations singulières. Et que les situations singulières
elles ne permettent pas d'utiliser des recettes universelles et qu'il faut inventer. À cet égard, enseignant-chercheur, c'est un pléonasme. Ce n'est pas un privilège universitaire, c'est un pléonasme. Tout enseignant doit être un chercheur. Inventivité institutionnelle aussi. Je pense que les formes scolaires, la classe homogène qui externalise, il faut peut-être commencer à les revisiter. Par une curieuse coïncidence, aujourd'hui vous êtes réunis ici et c'est pour l'éducation nationale la journée annuelle de l'innovation. Eh bien, au cours de cette journée annuelle de l'innovation, dont j'ai regardé le contenu, il y a une remise de prix tout à l'heure à quand même un nombre significatif d'écoles qui ont réussi à bousculer la forme scolaire. Ça n'est pas figé totalement et on peut faire bouger. Septième et dernier point, c'est ce que j'évoque dans mon dernier livre et qui m'a beaucoup fait réfléchir et sur quoi j'ai été très perplexe et à de très nombreux et je reste encore aujourd'hui très très interrogatif. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les fameux attentats? Ces attentats, bien sûr, depuis Charlie Hebdo, mais les attentats de novembre et puis les suites terribles que vous connaissez, ces attentats ont ému la France entière, et c'est bien normal. Mais je me suis particulièrement intéressé à la manière dont les enseignants les avaient traités avec leur classe. On a produit d'ailleurs avec Canopée toute une série d'émissions de web radio qui sont sur mon site si ça vous intéresse, sur la façon dont les enseignants avaient travaillé sur cette question des attentats avec leurs élèves. Et ce que j'essaye de montrer dans ce livre « Éduquer après les attentats », c'est que si ces attentats ont tellement bouleversé les enseignants, c'est qu'ils posent une question terrible. Une question que Platon pose au tout début de la République, sans d'ailleurs savoir lui répondre. Qui est la question « Comment faire entendre raison à celui qui n'est pas dans la raison ?» Parce que faire entendre raison à quelqu'un qui est un être raisonnable, avec qui on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais faire entendre raison à celui qui n'est pas dans la raison, c'est un sacré défi, hein ? C'est un peu du genre... expliquer, les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant à quelqu'un qui est en train de se précipiter sur vous avec un couteau pour vous assassiner. Vous aurez eu à peine le temps de lui dire les deux premières phrases que vous serez mort. Hein? Or, nous avons des gens qui ne sont pas dans la raison, aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont dans la pulsion, qui sont dans un fanatisme terrible, qui sont sous des emprises d'une grande violence. Et face à ces gens-là, nous sommes démunis. On peut parler en termes de prévention, mais j'explique dans ce livre que j'ai travaillé avec des enseignants en prison qui sont confrontés à des jeunes radicalisés. C'est pas évident, hein ? Qu'aux jeunes radicalisés à qui vous dites les autres c'est des personnes humaines comme toi que tu dois respecter la science elle a raison quand elle dit que il y a l'évolution des espèces et que Dieu a pas fait la terre en 7 jours en 6 pardon c'est reposé le 7e. Ces gamins là ils vous répondent quoi? Ils vous répondent mais c'est ta croyance mon petit gars. C'est croyance contre croyance. Tu crois ça, mais moi je crois le contraire. Pourquoi tu voudrais m'imposer ta croyance? Moi je te dis que le monde il est fait
de deux catégories de gens. Le monde, il est fait d'un côté de croyants qui sont promis au paradis et d'un autre côté de mécréants qu'il faut tous assassiner. Vous allez faire entendre raison comment à ce gamin? Comment? Comment vous allez le convaincre? Vous allez lui faire lire Platon? Difficile, hein? Moi, je n'ai pas la réponse à ça. J'ai des éléments de réponse parce que je travaille aujourd'hui au quotidien avec des jeunes qui sont en prise avec des mouvements radicaux. J'étais la semaine dernière en Belgique, à Molenbeek, où dans les écoles, ils estiment qu'ils ont entre 30 et 50% de gamins radicalisés, près de la moitié. C'est pas facile, hein? Alors, face à ça, il y en a qui ont des solutions. Il y a des solutions. Pas beaucoup, quand même. Hein. La lobotomisation. Mais c'est un peu radical. Et puis, c'est quand même un peu utiliser les armes de l'adversaire. Hein. La violence. Mais il y a des solutions. Je suis convaincu qu'on peut convaincre sans vaincre. Qu'on peut déstabiliser, qu'on peut travailler au quotidien avec ces jeunes. Et je suis convaincu que la pédagogie a une responsabilité essentielle pour ça. Alors peut-être elle n'est pas stabilisée, cette pédagogie. Peut-être elle n'est pas complètement ficelée. Mais il n'y a que la pédagogie. Il n'y a que la pédagogie qui pourra nous aider à lutter contre ça. Alors je parle de radicalisme islamiste parce que c'est le plus dangereux et le plus vivace. Mais il y a d'autres types de radicalisme. Je discutais l'autre jour avec des collègues des États-Unis qui me disaient que dans leur classe, il leur était impossible aux États-Unis, avec des blancs chrétiens, d'enseigner Darwin. Parce que les gamins répondaient Adam et Ève, alors c'est faux. Mais si c'est faux, moi je ne vous crois pas, parce que je crois à Adam et Ève, je ne crois pas à Darwin. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je ne sais pas. Et puis on me dit que j'ai plus le temps de le dire, donc je ne le dis pas. Je ne le dis pas, je dirais juste une chose, c'est que si ces jeunes se sont engagés dans le radicalisme islamiste, c'est peut-être parce que nous n'avons pas eu grand-chose à leur offrir à la place. Si ces jeunes se sont engagés dans ces idéologies mortifères, c'est peut-être parce que nous ne leur avons proposé que la consommation compulsive, et que la consommation compulsive, ils savent qu'ils n'auront jamais le fric pour l'avoir. Et puis, il y a une formule de Régis Debray que j'aime bien. C'est on ne détruit que ce que l'on remplace. Alors déradicaliser, c'est bien beau, mais par quoi? Remplacer le radicalisme islamiste, c'est bien beau, mais le remplacer par quoi? Par quelle espérance qui ne serait pas mortifère? Il y a une question que la pédagogie ne peut pas ne pas se poser aujourd'hui face à cela. Elle ne peut pas ne pas se poser cette question. Et c'est la raison pour laquelle vous avez bien fait de vous demander à quoi sert la pédagogie, et la pédagogie sert-elle encore à quelque chose? Oui, elle sert à chercher des réponses, même quand elle n'a pas trouvé les questions. Je m'arrête. Merci beaucoup. C'est toujours très agréable d'écouter Philippe Mérier, mais c'est toujours un problème de gérer Philippe Mérier. Donc, j'ai été dans tous les colloques, les gérer, ça, c'est un autre problème. Vous m'avez très bien géré. Voilà, merci, je crois. J'ai regardé mon doyen qui m'a regardé.
Donc, comme mon doyen qui y a, donc, que je salue, qui, grâce à lui, je connais maintenant qu'il a des penchants pour Franck Lepage. Donc, Maurice, on sait maintenant les lectures et tout ce que notre doyen écoute. Donc, je vais, puisqu'on n'a pas beaucoup, on a vraiment, il y a tout ce qui a été dit, on a écouté, ça va nous permettre dans nos différentes discussions. Là, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui souhaitent poser des questions brèves pour que... Des questions, peut-être non. Des questions, ouais, c'est ce que je voulais dire, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a donc question, une ou deux questions? Et je sais qu'avec ça... Ça peut être des objections surtout, hein, c'est ça qui m'intéresse. Ou vous pouvez pointer aussi des lacunes dans mon exposé ou des... faire des témoignages de... Toujours après vous, c'est toujours du mal. Je prends mon courage à deux mains et je pose une question que j'ai écrite. Donc dans la perspective du sous-titre du colloque, où il est question de défis d'avenir... Et en rejoignant le défi proposé par Madame Pesant ce matin, je voudrais poser une question sur l'organisation de l'institution scolaire. En fait, dans l'institution scolaire, il y a aujourd'hui vie scolaire et enseignement qui sont deux dispositifs distincts. Et à l'ISP, Faculté d'éducation, il existe des masters spécialisés pour les cadres éduques. Donc, est-ce qu'au-delà de la pédagogie et au-delà des changements de posture qui sont demandés aux enseignants et aux apprenants, on ne devrait pas faire une refonte de l'institution scolaire pour créer des ponts entre l'éducatif et le pédagogique? Ma réponse est oui. Une autre... D'accord. Okay. Oui, c'est une très bonne question et vous avez tout à fait raison. Ok, non, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y a encore une autre question, une autre marque ou objection? Voilà, courageuse encore. Ça, c'est toujours à ce moment-là les femmes qui osent, les hommes. C'est... C'est-à-dire qu'elles sont plus nombreuses. Ouais. Oui, Saïda, et je suis élève à l'EFPP en deuxième année, éducatrice de jeunes enfants. Oui. Merci pour toutes les informations que vous avez données, tout, on a appris beaucoup de choses. Et je voudrais juste reformuler pour voir si j'ai bien compris que la pédagogie avait pour objectif d'éloigner l'élève de l'échec et de le rapprocher de la réussite. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que l'élève, on a beaucoup parlé de l'élève et de l'enseignement, mais nous, en tant qu'éducateurs, on est en lien avec l'enfant de 0 à 6 ans, avant qu'il devienne un élève. Mais comment faire le lien entre l'éducateur et l'enseignant? Parce que l'élève, quand l'enfant a quitté l'éducateur, va rejoindre l'enseignant. Comment se rencontrer pour qu'il n'y ait pas de différence ou de fossé ou je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait fait beaucoup de liens avec l'éducateur de jeunes enfants qui est en lien avec l'enfant de 0 à 6 ans. Voilà. Merci de cette question, je vais être très court aussi. Trois verbes qui me paraissent être des verbes communs à l'éducateur de jeunes enfants, à l'enseignant, mais aussi peut-être au formateur d'adultes, pourquoi pas. Trois verbes, sursoir, symboliser, coopérer. Sursoir, ça veut dire quoi? Sursoir, ça veut dire prendre le temps de penser et ne pas se précipiter pour faire tout de suite, immédiatement, et sans réfléchir ce qui nous passe par la tête, ce que traditionnellement on appelle un caprice. Sursoir, tu prends le temps d'y réfléchir. Non, pas tout de suite, oui, mais peut-être. J'ai dit un peu de mal des neurosciences parce que la vogue de la neurosciences m'agace. Mais il y a parmi les neuroscientifiques des gens qui écrivent des choses très bien. En particulier, mon collègue Olivier Houdet a écrit un très beau petit livre qui s'appelle « Apprendre à résister ». Et dans ce petit livre, il reprend les expériences de Piaget, et en particulier la fameuse expérience de Piaget sur les jetons,
dans laquelle il montre comment, c'est Piaget, hein, on prend 10 jetons, on fait deux lignes de 10 jetons, sur une ligne on écarte beaucoup les jetons, sur une autre ligne on resserre beaucoup les jetons et on demande à l'enfant où est-ce qu'il y a le plus de jetons. Et l'enfant va spontanément dire là où il y a le plus de jetons, c'est la ligne la plus longue. Et ce que montre Olivier Houdet, y compris avec des images d'imagerie cérébrale, c'est que l'enfant qui répond ça, il répond directement avec une réponse qui émane du cerveau arrière. Pour qu'il se mette à compter les boutons, il faut faire agir ce qu'on appelle le cortex frontal, c'est-à-dire qu'il faut inhiber la réaction immédiate pour que l'enfant se mette à compter les boutons et à vérifier son intuition. Ça peut se faire à tous les âges. Ça peut se faire tout petit, ça peut se faire quand on est agrégatif de philosophie, sur soi. Symboliser, pour l'enfant, ça va passer par la construction du langage, par la lecture des contes et légendes, par l'utilisation de la littérature qui permet de donner des formes au chaos psychique qui nous habite. Sur soi, symboliser. Évidemment, je peux dire à un gamin, mais t'as pas peur que ta maman vienne pas te chercher aujourd'hui, parce que tu sais, les parents abandonnent souvent leurs enfants. C'est un peu sadique comme... Mais je peux aussi raconter le petit poussé. C'est une autre histoire. C'est un cadeau, le petit poussé. C'est un cadeau parce que ça permet à l'enfant de se relier aux autres sans être violé dans son intimité. Symboliser. Troisièmement, coopérer. Apprendre à faire avec. Moi, je fais partie de ceux qui n'emploient plus l'expression vivre ensemble. Ça m'énerve, vivre ensemble. Bon, parce que tout le monde veut vivre ensemble. Ensuite, parce qu'on peut vivre ensemble de des tas de manières. Hein. On peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique. Ou on peut vivre ensemble chacun devant son écran, complètement indifférent à ce qui se passe à côté. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ensemble. C'est de coopérer. C'est de faire à plusieurs. J'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur la pédagogie de quelqu'un qui est malheureusement trop peu connu, Germaine Tortel, sur la manière dont les petits-enfants, les tout-petits-enfants, pouvaient dessiner en commun, pouvaient apprendre à coopérer en faisant des dessins ensemble. Bon, alors je ne vais pas aller plus loin, mais voyez qu'à travers trois verbes simples, sursoir, symboliser, coopérer, on a quelque chose qui peut réunir toutes les formes d'éducation. L'éducation familiale, l'éducation des éducateurs que vous êtes, éducatrice, l'éducation des enseignants, et qui peut contribuer à la construction et à l'émergence de ce que j'appelle la pensée. Voilà. Donc si j'ai paru m'intéresser plus particulièrement aux enseignants, je vous prie de m'en excuser, mais en réalité, ce que j'ai dit me semble dépasser le cadre spécifique de la relation strictement scolaire. J'étais court, hein. Merci beaucoup, Philippe Mérier. C'est moi qui vous remercie, mais il y a peut-être d'autres questions, ou oui, interventions ou objections. Nous aurons l'occasion de vous les envoyer, donc nous aurons l'occasion. De toutes les façons, sursoir à la réaction pour pouvoir symboliser et coopérer avec vous dans l'élaboration des réponses. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Donc vous voyez donc au niveau du, nous allons juste peut-être essayer de... est-ce que s'il y a des petits besoins urgents? Donc, parce qu'il faut permettre cela. Donc, on se donne juste 5 minutes. 5 minutes de faire un aller-retour et puis on revient. Donc, on ne regarde pas là où va les voisins, mais il y a premier étage, deuxième étage, troisième étage et puis on se retrouve ici dans 3 minutes, on s'est dit, pour respirer et puis terminer. Est-ce qu'on fait, et puis on arrive dans 3 minutes,
on se retrouve ici. Ça nous permet juste de respirer et d'échanger. Thank you.
Bon, nous allons tranquillement nous occuper nos places J'invite Chantal Paysan et les doyens François Mogg. Chantal Paysan, elle est dans la salle. Merci à tous. On commence à s'installer, s'il vous plaît, parce que pour tenir les temps. Donc, il y a ceux qui ont enregistré l'intervention de Philippe Mérier. Donc, nous pourrons les retrouver. Donc, après cet enregistrement, nous lui enverrons les textes enfin, de ce qu'il a dit. Et puis, après correction, ça va être inscrit. Voilà. Donc, voilà. Ça va. OK, c'est bon. C'est bon. S'il vous plaît, nous installons, puisque nous n'avons que 20 minutes. Nous allons essayer de tenir les temps. Nous allons essayer de tenir les temps. Oui. Donc, comme j'ai dit, vous aurez les actes de toutes les interventions, même les interventions orales de Philippe Mérier. Nous allons les lire et corriger, lui envoyer les textes. Et puis il va nous renvoyer. Maintenant, avant de laisser vraiment la parole à Chantal Paysan, je voudrais juste que quelqu'un s'élève, puisqu'on parle beaucoup de lui, on ne l'a même pas entendu, mais juste qu'il s'élève pour qu'on puisse l'applaudir, Étienne Verne. Puisque c'est lui qui porte. Levez-vous juste que les étudiants vous voient, puisque c'est quelqu'un. Merci beaucoup. Merci. C'est bon pour le point. Alors, pour finir, pour ouvrir la suite à donner à ces deux grands jours, je commence par raconter une histoire véridique d'un bout à l'autre. Elle m'est arrivée en février dernier. J'habite le quartier Montparnasse, sud de Paris, 14e, vous voyez à peu près, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Bon. Et donc, je m'étais rendue du côté de Nation, à une station à l'est de Nation. Ça fait, vous voyez, un certain temps déjà en métro, bon, où j'avais à rencontrer quelqu'un. Je sors de mon rendez-vous. Il faisait vraiment une lumière un peu comme aujourd'hui, avec un temps frais admirable. Oh, j'ai dit ça, c'est bien, c'est une chance. Je me fais à la route à pied. Voilà. Donc, j'ai pris mon chemin. Je suis arrivée à Nation. J'ai contemplé un peu la belle place arborée. J'ai fait un peu le tour pour essayer de trouver mon orientation. Et puis, je vois deux dames du quartier manifestement en train de faire leurs courses. Des dames de couleur habitant le coin.
Et je dis, excusez-moi, mesdames, mais pour aller dans la direction de Montparnasse, je voudrais aller en me promenant. Par où est-ce que je passe? Oui, il y a toutes ces avenues tout autour. Bon. Et alors, les dames me disent, oh, mais écoutez, pour aller là-bas, c'est simple, vous prenez le métro, regardez, la bouche de métro est là. Et puis alors, elles se regardent toutes les deux. Mais elles disent, mais non, si madame veut se promener, elle n'a qu'à prendre le bus. Bon, l'arrêt est là-bas. J'ai donc remercié chaleureusement. Et je suis allée à la pharmacie, et alors le pharmacien me dit, vous êtes en voiture? Alors là, j'ai compris qu'il allait mieux dire oui. Et donc, il me dit, écoutez, c'est simple, la deuxième avenue à gauche. Voilà. J'ai donc pris ma route. Alors, j'en tire un certain nombre de leçons, vous vous doutez bien. La première leçon est une leçon de sociologie. Il faut croire que les dames du quartier que j'avais abordé et monsieur le pharmacien ne prennent pas les mêmes moyens de locomotion. Bon, vous lirez la parabole à tous les degrés nécessaires d'un bout à l'autre, puisque c'est une grande conclusion, chacun y mettra beaucoup de sens. Ma deuxième leçon est, disons, de nature plus psychologique. Inutile de demander à quelqu'un la réponse à une question qui n'en est pas une pour lui. Ma troisième leçon est une leçon de sagesse pratique. Si vous voulez aller de nation à Montparnasse et au sud de Montparnasse, prenez de bonnes chaussures. Bien. Transposition plus résolument pédagogique. Bien. Le but de la pédagogie est d'introduire à des mondes de savoir, des mondes de culture qui ont chacun leurs moyens de locomotion, de leur code, leur point de repère. Bien. Pour y emmener les élèves, les personnes à qui on s'adresse, on a tout de même intérêt à partir de leur monde. Sinon, on est un peu, là, l'histoire est connue, vous savez, comme ce paysan à qui un pèlerin demandait la route pour Rome, sachant que tous les chemins mènent à Rome, et le bonhomme s'étant longtemps gratté la tête, répondait, si j'étais que vous, je ne partirais pas d'ici. Bon. Alors, l'histoire est connue, mais je crois qu'on passe son temps, n'est-ce pas, à ça en pédagogie. On ne part pas vraiment avec l'élève, d'où il part et d'où il est. Deuxième leçon de pédagogie. Vous voyez tout de même l'habileté que j'ai eue de solliciter trois personnes pleines de bienveillance et de solidarité à mon égard. Et j'ai finalement obtenu la réponse que je voulais. Mais pas une de ces personnes n'a aucun moment pu adopter mon point de vue. Je crois que l'aventure pédagogique est le véritable déplacement. Comment cela ? Pouvoir voir les choses en faisant ce pas de côté par rapport à soi-même, ce travail considérable au bout du compte de décentrement pour voir les choses du point de vue de l'autre. Bien, donc comment ça se passe dans sa tête et quel est son paysage mental et comment il fonctionne, d'accord? Bien, on va dire déjà la troisième leçon de pédagogie. S'il s'agit en effet d'une aventure, nous avons compris qu'elle se conduisait dans un paysage extrêmement complexe. Pendant deux jours, nous avons défriché un peu cette forêt où ces courants multiples de la pensée pédagogique dans son histoire, cette démultiplication des débats. Il y a de quoi se perdre. Bien, boussole. Eh bien, écoutez, je crois qu'à l'instant, Philippe Mérieux nous a donné quelques boussoles essentielles. Repartons donc du fameux triangle que vous retrouverez dans vos notes, hein, absolument essentiel pour reprendre le nord. Bien. Autre leçon pédagogique. Il n'y aura pas de déplacement pour l'autre si on ne s'est déplacé soi-même. Bien, donc, ce pas de côté... il faut oser le faire pour soi. On avait dit qu'il y a de la prise de risque et le faire avec. Bon. Le marcher ensemble, ce n'est pas marcher au pas cadencé, n'est-ce pas? Mais avec ces croisements de regards, disciplinaires, ces croisements de regards dans la pluralité des approches de l'éducation à travers différents métiers
parlé tout à l'heure, et les éducateurs jeunes enfants, les éducateurs de rue, les acteurs, n'est-ce pas, socio-éducatifs, les enseignants, les différents acteurs de l'école, et j'en passe. Bon, il faut ainsi susciter les lieux de ces croisements de regards, ce qui se passe, passer le gamin en relais les uns après les autres. Bien. Donc, ces croisements. Autre leçon, nous, de pédagogie. Au bout du compte, il y a bien sûr une pluralité d'itinéraires, vous savez, comme pour aller à Compostelle, et chacun avec son chemin à construire, hein, comme il se construit sa culture avec une série de références auxquelles on lui propose de puiser pour se construire. Bien. Mais unicité d'un chemin au bout du compte, au bout du compte. Alors, je crois que pour comprendre cela, je suis dans les temps parce que je ne dois pas dépasser mes 10 minutes. J'ai ça déjà. J'ai encore 2-3 2-3. Ah, 2-3. Bon. Donc, encore un point que je voulais souligner. Philippe Mérieux insistait, n'est-ce pas, sur cet effet centrifugeuse. Bon, ayant, comme d'aucuns ici, travaillé un certain nombre d'années à la Fondation des apprentis d'Auteuil, je sais regarder de l'extérieur le système éducatif du côté de l'éjection. Bon, d'accord. Bon, donc, c'est la prise en compte, en effet, de ces chemins particuliers, et je dirais, marcher ensemble pour aller aux frontières. Aller aux frontières qui sont justement, vous voyez, ces ailleurs, c'est hors de l'école, qui est éminemment instructif si on ne veut pas continuer à reproduire les conditions qui conduisent au décrochage, à l'échec, au découragement, voilà, hein, et qui fournissent la marche de l'école. Bien. Je vais ajouter deux points. Dans ce voyage ensemble, il y a besoin d'un horizon, d'un projet de sens, une vision de l'homme, disions-nous, un partage concerté, réfléchi des défis de son temps. Nous avons dit cela aussi. Et certainement, cette ambition commune qui, je crois, a réuni vraiment tout ce qui a été dit depuis 2 jours, le désir et l'exigence de ne pas de faire une pédagogie de l'anti-Babel. La pédagogie de l'anti-Babel, c'est celle qui évite de fabriquer des briques qu'on met les unes sur les autres, hein, ce type d'humanité, avec toujours, n'est-ce pas, dans la construction comme ça de la tour, il y a toujours quelques éléments de fêtage d'où émergeront les futurs dirigeants. Bien, donc, cette unité dans la conception et le partage et la co-construction, en effet, d'un bien commun est à construire dans de la diversité. C'est bien de l'unité dans de la diversité. C'est ce que j'entends par l'anti-Babel. Bien. Je termine par ce mot. Tout ce chemin, peut-être sommes-nous des pèlerins, les pèlerins de la pédagogie, n'est-ce pas? Bien. C'est un cheminement, le cheminement pédagogique, comme le dialogue amoureux, est un art du temps. Donc, cela suppose les temps de respiration, les temps de distance où on relit ce qu'on a fait ensemble, où chaque élève peut dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est ces petits temps de pause qu'on a indiqué ce matin, mais à tous les niveaux. Comment dans une équipe éducative, une équipe en formation, on se ménage ces temps de relecture, de pas de côté, au vert, n'est-ce pas, pourquoi pas. Bien, voilà, inscription dans le temps, respiration, où peut passer le souffle de l'esprit. Merci. Tenons vraiment à remercier Chantal Paysan qui nous a conduit vraiment en tant que fil rouge et sa capacité de pouvoir reprendre les choses en quelques minutes malgré la frustration du temps. Merci beaucoup. Et tous les textes seront toujours dans les actes de colloque. Donc on a passé, vous voyez comment est-ce qu'on a cheminé, on a passé de l'érotisme pédagogique cher à Pierre-Antoine au dialogue amoureux. Donc, nous allons dialoguer maintenant
avec notre doyen François Mock pour pouvoir ouvrir, plutôt pas clôturer, mais ouvrir ces colloques. La charge de doyen a un pouvoir érotique très limité, hein, je vous préviens, c'est très sûr. Quand on doit conclure synthétiquement un colloque comme celui-ci en s'engageant absolument à ce qu'il soit terminé à 17h, il faut maîtriser quelques petits trucs de rhétorique, et notamment l'un qui est toujours très pratique, celui de l'inclusion. En introduction, j'avais parlé du risque de clivage et du rapport entre les pédagogistes et les démagogistes. L'inclusion serait la suivante: un pédagogue et un démagogue sont dans un bateau. Lequel va tomber à l'eau? Voilà. Moi, je plaide pour que ce soit le pédagogue, pour qu'il se jette à l'eau. Voilà. C'est une subtilité. Et qu'il laisse le démagogue filer au fil de l'eau dans sa barque plus ou moins confortable. Et qu'on ne le voit plus, qu'il dérive. Voilà. Parce que il faut que le pédagogue se jette à l'eau. C'est ce que j'ai entendu, moi, pendant 2 jours. La pédagogie fait voler en éclats le clivage entre théorie et pratique. C'est ce qu'a dit notamment Daniel Hamelin au début. La pédagogie commence quand on se pose la question: mais qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Donc pour cela, il faut déjà être en train de fabriquer. C'est aussi donc la liaison entre finalité et modalité. Une fois que le pédagogue s'est jeté à l'eau, il faut que je rende compte de mon affirmation initiale: l'avenir d'un fleuve est à sa source. Deuxième inclusion. Eh bien, je me rends compte que ce que je vous ai dit là n'est pas totalement stupide, mais est grandement incomplet, parce que l'avenir d'un fleuve est à sa source, certes, mais pas seulement. L'avenir d'un fleuve est aussi à la source de ses affluents. Et donc j'ai bien compris que ce qui avait été important dans l'histoire de l'ISP, qui doit rester important, ce sont ses partenaires, cette ouverture, cette coopération. Voilà. C'est d'une importance capitale. Alors je peux citer certains de ses partenaires actuels, les ISFEC, il y a la directrice de l'ISFEC Lassalle Mounier que je salue, le FPP, dont certains étudiants sont peut-être encore dans la pièce. Il y a l'ESPE de l'Académie de Paris, avec qui nous avons une convention pour le Master MEF. Il y a des partenaires internationaux, St. Mary's University Twickenham à Londres, l'ISPA, l'Institut supérieur de pédagogie d'Antananarive, que nous allons visiter dans quelques mois. L'Université du Saint-Esprit de Kaslik au Liban, l'Université de Sherbrooke au Québec, enfin, nous avons là des partenaires, et notre développement, voilà, passe par ces partenariats. J'ai compris aussi que la source, elle avait un nom. La source, elle s'appelle mise en relation. Parce que la personne est relationnelle par essence. Ça, c'est la doctrine catholique. Chose, si vous voulez savoir la doctrine catholique, je la connais, voilà. C'est que la personne est relationnelle par essence, voilà. Et le nom de cette source dont c'est mise en relation, le nom de cette source, c'est hospitalité. C'est ce qu'elle nous a dit Guy Berger dans le film. C'est-à-dire que la pédagogie, ce n'est pas un ensemble de techniques, mais la pédagogie, ça touche à l'être. Il y a la relation entre des personnes libres, voilà, douées d'une conscience qu'ils doivent suivre. Ces mises en relation, c'est donc décloisonnement. Voilà. Donc le bout de mot, enfin, c'est un préfixe, mais on a le droit de garder les préfixes, hein, c'est le inter. J'hésitais entre inter et trans, je me suis dit, si je dis trans, dans la bouche d'un théologien, ça va faire bizarre. Donc c'est inter. Voilà. Inter. Interculturel, interdisciplinaire, international, intergénérationnel, intereducatif. Parce que ce dont on a parlé ici, c'est plus que de l'école. C'est d'éducation. Et il y en a beaucoup parmi vous qui sont engagés dans des structures éducatives, pas seulement dans des écoles. Et parce que, nous a dit Britt-Marie Barthes, le savoir naît de l'échange inter. Et puis tout ça, c'est quand même un fleuve. Donc c'est un mouvement, voilà. Un mouvement de mise en relation de tous les acteurs qui permet, ça je l'ai entendu de Chantal Pézan, un processus d'humanisation. Voilà.
Et alors, en entendant tout cela, moi, je voyais apparaître une sorte de triangle. Relation, humanisation, et j'ai rajouté ce que j'ai entendu, moi, institution, mais dans le sens de processus instituant à la fois des personnes, des communautés. Et ça m'a quand même un tout petit peu perturbé, parce que je tourne en boucle ça dans ma tête depuis hier. Relation, humanisation, institution ou processus instituant, et j'ai beaucoup de mal à le relier spontanément à la pédagogie, parce que il y a un mot qui me vient quand j'essaie de tenir ensemble relation, humanisation, institution, c'est le mot initiation. Et je me pose du pied à la question, alors que je vous livre, hein, est-ce qu'on pourrait tenir à peu près dans la même phrase ou dans le même paragraphe, à partir du concept d'initiation, les notions d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation et de pédagogie, et tout ça, est-ce que ça ferait, je ne sais pas, un triangle, un carré, un pentagone? Ça, j'ai jamais été très très doué pour la géométrie, donc. Mais voilà, une sorte de levier qui nous permettrait un peu de renouveler les perspectives, puisque on s'est dit qu'on voulait les renouveler pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Ce que j'ai entendu aussi, c'est que cette communauté, c'était une communauté d'engagement, et moi, je peux, en tant que doyen, prendre l'engagement qu'il y aura des suites à ce colloque. Je souhaite que la faculté, elle puisse saisir des fruits du colloque. Et puis, j'ai donc annoncé à Nicole Priou que j'allais obliger le comité d'organisation du colloque à tenir une dernière réunion avec moi pour qu'on parle un peu de ce que les uns et les autres ont entendu à partir de ce qu'ils en attendaient, puis de ce qu'on peut en faire. Voilà. Et puis, sans doute, le conseil de faculté et même l'ensemble des enseignants et formateurs de la faculté, lors de leur séminaire d'été, pourront reparler de tout cela. Et puis, si on veut tenir l'engagement du temps, il faut, dans les 2 minutes qu'il me reste, être poli. Voilà. Et procéder donc à quelques remerciements, parce que sinon le colloque aura une forme d'interruption qui ne serait pas bonne. Alors, je veux remercier rapidement, mais prendre le temps quand même, de remercier d'abord Madame Marivio et Monsieur Augustin Mutualet, qui ont été la cheville ouvrière de la préparation de ce colloque, avec ce comité composé, outre eux deux, de Séverine Parer, qui est là-bas, de Nicole Priou, qui est ici, de Brigitte Emery, qui est en face de moi, d'Anne Olivier, que j'ai perdu de vue, mais voilà, parce qu'elle était trop près, de Pierre-Antoine Cohen et de Thomas Zipper, qui est là. Voilà, il a enlevé sa veste. Donc, je les remercie. Je voulais remercier aussi ce que j'appelle, alors moi je ne suis ni africain, ni d'une culture taoïste, mais oui, toi tu es africain, oui. Ni d'une culture imprégnée du taoïsme, mais je veux remercier ce que j'appelle avec affection les anciens. Voilà. Voilà, les anciens. Donc je cite, dans un ordre aléatoire, Britt Marie Barthes, qui est ici, Albert Moine, qui est pas loin d'elle, Étienne Verne, qu'on a déjà remercié, mais on peut le remercier deux fois, Edmond van der Merch, qui était là hier matin, et sa présence m'a vraiment beaucoup touché, parce qu'on sait ses difficultés de santé, Bernadette Aumont, qui était là hier aussi. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de reciter Nicole Priou, mais on peut vous remercier deux fois, vous aussi. Donc merci à nos anciens et à ceux qu'on a entendus aussi dans le film. Je veux remercier aussi tout particulièrement Madame le doyen Chantal Pézan, parce que au début du colloque, je vous l'ai confié, vous me le rendez dans un très bon état, et je vous en remercie. Plus riche qu'on ne pouvait s'y attendre. Voilà. Je voulais remercier aussi toutes les assistantes qui nous ont permis de passer un bon moment. Alors, je cite Valérie Taillandier, bien sûr, Nivalat Neharit, Maïlis Kanko qui est ici, Zoraïda Lebeau qui s'est cachée, mais que je vois aussi, donc... Merci beaucoup à vous toutes. Voilà. Et merci à tous les participants. Alors, bien sûr, les étudiants, les L3 du parcours accompagnement et promotion de la personne, des parcours éducateurs de jeunes enfants et éducateurs spécialisés, les M1 et M2 du parcours du Master MEF, parcours cadre d'éducation. Je
Réveillez-vous dans le fond, les cadres éducatifs. Les doctorants et les jeunes docteurs qui restent fidèles, voilà, merci à vous. Les collègues, les amis, les maîtres de conférences, les formateurs qui sont ici. Ce colloque, je crois, a vraiment suscité... J'ai oublié quelqu'un ? Les anciens, c'est noté ici pourtant. Les anciens, donc nos alumni là qui ont dégagé du temps pour venir nous rejoindre et dont la présence voilà, me touche aussi beaucoup. Merci Maïlys. Je crois qu'on peut dire que ce colloque a suscité un mouvement et moi je vous dis que je souhaiterais que ce mouvement se poursuive et donc je vous dis à bientôt. Quand les doyens parlent, les vice-doyens c'était. Donc je mettais au revoir et à l'année prochaine. Alors.